police semble bien dit, tu as commencé à mettre pied la terre, ça nous va en gros ce mot de désir. L'expression de bien bonheur matin, la police, surtout à travers diverses blindés qui gagnent au niveau département, à diverses unités spécialisées, tant que BRI, BOIT et BLTS, SWAT, ils ont essayé de faire une intervention jusqu'à présent. La milice n'a pas parlé à la police, toujours présent dans le quartier, dans le fief, Cocorat, Saint-Ras, dans la Papyrus. Est-ce que ça va permettre que les gens qui vivent dans le département de la Tibonite, respectivement, si la cap sorti dans la ville de Gonaïve ou traverser pour aller à l'Ester, il y a pratiquement une chance, ok, pour qu'ils évacuer avec activité, parce que depuis un bon bout de temps, Bande Cocorat Saint-Ras, qui est meilleur, Benji a dirigé, empêcher les gens d'évacuer avec activité. Et bien, la police décide de mettre pied à terre, la population pratiquement attend un résultat sous opération pénétration ça qui a fait dans la base Cocorat Saint-Ras, parce que la situation dans le département de la Tibonite paraît extrêmement difficile par rapport avec trois gangs, deux gangs qui pratiquement pas de problème. Il y a un qui est dans le nord-ouest pays, dans le Tibois d'Homme, qui pratiquement a une connexion avec Cocorat Saint-Ras dans la Papyrus, qui a pas de problème. Et bien, la police semble déterminée depuis après massacre qui fait en profondeur pour déraciner gang. Et puis jusqu'à présent, non, ça vient. Côté bandit gang griffio, gang quartier général, qui t'a fait massacre là, dans le Ponsonde, où jusqu'à présent, la police, poko, attaque, bandit, et ça vient. Mais quand t'as bandit coco, attention, yon tout, yon a couru pendant journée, dans la première intervention que la police fait, dans l'espace de la situation. Ça veut dire là, pour mon capteur de garder dans la décivenesse, c'est que pour matin, mardi 8 octobre 2024, là, et plusieurs unités spécialisées, avec plusieurs chars blindés, yon t'a metté pied à terre dans fief coco, attention, selon ça que nous comprenons. L'emdi, mettez pied dans fief negio, est-ce que c'est rentré exactement dans l'espace côté negio basé ou dis-moi, est-ce que y a fait des pénétrations pour garder comment on capable entrer dans fief Negyo? La police mette pied à terre dans grand quartier au cadrier espace côté Cocorat Saint-Ras, bien contrôle là dans la Papyrus qui permet au moins que on cherche l'ancien de sécurité pour au moins suspendre gang ça faire exaction sous population civile, surtout dans le département de la Tibonite. Et bien, jusqu'à présent, pénétration a été faite pour les personnes. Il y a eu un petit échange de tirs depuis bien bonnet dans le matin. Et puis, jusqu'à présent, pendant la paléa, il y a un échange de tirs entre la police et le Cocorat Saint-Ras, qui dans la Papyrus, dans la localité Joannis, qui trouvait dans la commune Lester sous juridiction de Gonaïve. Ça veut dire là, nous avons un bilan pour journée matin. Nous avons un bilan puisque et pendant toute journée matin, jeudi en désir, la police est présente. Ça veut dire nous avons un bilan parce que vous connaissez les opérations menées pour qu'on capable de donner des détails, pour qu'on ait exactement et qui ça chiffre et qui ça et opération en détail. Mais nous avons un bilan selon ça ou dire mais ça pour mon yokembe, ça pour mon yoretenu. Mais pour journée matin, mardi 8 octobre, là, et la police présente dans fief Cocorat Saint-Ras. Mais bon, moi, dans sa désir, ou même qui connaît les zones très bien. Est-ce que l'IP est accessible pour que la police mène l'opération dans la base Cocorat Saint-Ras avant que puis tu entrer dans la zone base Grand Griffe? Et si nous sommes capables de cartographier et un zib la et Palmis, on a dit comme ça, côté que Cocorat Saint-Ras lui-même li Basel avec sa vient. Alors Cocorat Saint-Ras c'est dans Joannis. En Joannis, voilà. Joannis, dans la Quapéris, avec la base Grand Griffe dans sa vient. Et ou même qui est plus ou moins capable, alors qu'on est réalité et présentation espace et présentation zone, yo, est-ce que le plus accessible pour que la police pénètre ou dit monsieur mener opération dans base Cocorat Saint-Ras que monsieur Basse Grand Griffe ou dit monsieur la police a payé la plus facile pour la police prend base Cocorat Saint-Ras avant et après ça pour prendre base monsieur Savien? Bon, peut-être son stratégie qui définit par nouveau directeur départemental là Caleb Exantis, parce que et s'il a sorti dans direction départementale au Gonaïve, l'a passé sous Cocorat Saint-Ras, parce que base Cocorat Saint-Ras, c'est dans la juridiction de Gonaïve, tant que j'en ai dit tout à l'heure, sur route nationale numéro 1, dans la localité qui est le Joannis, qui trouve dans la commune Lester. Peut-être qu'il doit ses raisons que le directeur départemental l'a voulu nettoyer la Papyrus avant qu'elle prenne direction ça vient. Mais en pile monde qui est au niveau département de la Tibonite, qui a essayé de garder, si la police était concentrée sous bandit base Gang Griffio, qui pratiquement représentait des pierres d'achoppement, pour évacuation, pour activité population dans le niveau département de la Tibonite, et c'est gang qui plus criminel dans le département, vous voulez parler de gang griffle, pour un peu le monde, vous faire comprendre que vous pensez que c'est non et basse et gang griffle, ça vient au lieu de Cocorat Saint-Ras, que vous avez commencé. Parce que ça qui mette focus, c'est basse gang griffle, non, ça vient. Et il est plus facile toujours, il est plus facile toujours pour déraciner gang griffle dans l'espace géographique côté lié là, et pour plusieurs raisons. Parce que Grand Griffe li en dedans anti localité. Li gen plusieurs autres zones qui pratiquement en opposition avec par rapport avec façon
que y a agi dans la communauté. C'est difficile pour bandi gang qui fait traverser sous l'Yankou. C'est difficile pour traverser sous l'El Jean-Denis. Si la police décide de rentrer, la police prend contrôle de centre-ville dirigé à la Tibonite. Le quadrille de centre-ville dirigé à la Tibonite. À partir de ça, il fait pénétration en passant par Palmis pour passer des centres pour venir ça vient. Et même blesse personne, situation t'a plus ou moins permettre que la police lui prenne contrôle basse gang riflant au lieu de cocoratien assis bien accès à prendre monde avec facilité dans l'espace côté OIA sur route nationale la blesse situation. Ça veut dire là, et c'est ça, mais qu'on a comme nous-mêmes, comme journalistes et comme directeurs d'opinion, et nous pas gain plan opération de la police à nommer nous, et même n'a gain tout. Nous pas jamais venir pour nous dévoiler et plan d'opération de la police, nous pas jamais venir pour nous et plan exécution opération, mais la police qui décide de commencer dans la base de M. Cocoratien Ratio, dans la Croix Péris, sur SRT, dans Joannis, on a dit bien, et qui connaît les stratégies. Hein. Mais en plus, on a attendu, je ne dis vraiment, il y a peut-être que l'opération Saïb Kalmenéen est capable de porter résultat, est capable de fuir dans le démantelé Bandi Bas Grand Griff. Alors, pardon, et M. Kokoatsen Ratio qui s'est allié avec Bas Grand Griff dans sa vie, et vraiment pour capable créer sa relais, un climat de la paix, un climat de sécurité, un climat de confiance dans le niveau bas la Tibonite. Nan. Est-ce que la police pral mener opération ça même je qui mené dans Badelma, yo pral déchouquer, yo pral démanteler les bandits yo pendant que y a consolidé espacio, c'est des questions qu'a posé ou dit moi est-ce que yo pral seulement faire des opérations mais des pénétrations mais des interventions et après ça virer de yo aller, c'est encore question mon a posé, mais mon espérer et souhaiter que la police fait de pénétration, la police mener des opérations d'emblée et pour yo capable de s'y tirer, démanteler, dénicher bandi Kokoatsen Ratio et après ça river sur monsieur Bas Grand Griff yo. Parce que surtout après massacre que nèg yo fait pardon non je profonde pardon non je profonde c'est dire que des Ivenes jodi an attends mon yo c'est rivé ouais que la Tibonite qui a plus que 5 6 ans 7 ans qui se contrôle Bas Bandi Grand Griff ou dimanche que Kokoatsen Ratio que la paix rivé établi et après massacre profonde an désir Venesse mon yo mandé un seul bagage que force de l'audio décide tirer et fini une fois pour toutes avec question bandi armé yo désir ça nous regarder comme information tout et ben j'aime que capable garder et virer sur réseau hein côté que PM Gary Koni que l'était annoncé la présent pendant quelques jours là dans Afrique et dans pays africain surtout en pays Kenya côté que pral rencontrer avec le président pays Kenya Williams Ruto et il pral discuter avec Williams Ruto sur question déploiement reste et officier kenyan yo et en même temps tout PM n'a dit que la profiter rencontrer de l'autre président mais de l'autre chef gouvernement de l'autre pays en Afrique et qui promet pour envoyer des soldats ou bien des policiers et venir renforcer mission multinationale et en même temps tout la profiter rencontrer des pays ou des autorités dans Émirat arabe uni hein, pour regarder comment que yo capable aider Haïti dans bay moyen et sophistiqué de matériel moderne dans aider résoudre question insécurité la caille nous en Haïti mais à travers plusieurs images que qui viennent joindre nous sur réseau social là nous capable voir que PM là et qu'al visiter il y a un espace côté que qui un ensemble de véhicules blindés et véhicules blindés ça yo qui ressemblait avec blindé M rap que qu'il a en pays hein et qui l'autre blindé qui semblait avec de l'autre machine qui est un dit plus sophistiqué ou dimanche que plus résistant et capable que PM Gary Koni monsieur cap signer un papier mais qui a gonfé non monsieur Siate mais il a essayé garder comment il est capable signer de coopération il est capable signer de documents et qui permet que pays ça yo ou dimanche que achat ou bien entente que joindre voyez de matériel blindé pour la médaille pour la police et mission et qu'il a des Ivenes. En espérant que Jean que PM connaît dit là, Timari a la marché et Timari a porté bonne nouvelle. En souhaité que PM n'en aller et la porté de bonnes nouvelles pour peuple haïtien. Et des Ivenes, la prendre que actuellement là, équipe bandit isosexuel kondio, équipe bandit et grand ravine si bois saouyen, nèg yo ap chache pran contrôle l'anmè Gressien, l'anmè Kafouan, l'anmè Marianien. Nèg yo ap chache là, nèg yo ap essayer jouer et coup mec Jean-Jacques là. Puis regardez comment que yo capable prendre contrôle zone ça yo sous l'anmè. Et je dis un message à lancer ben autorité nou yo. La marine haïtienne prend responsabilité ou et autorité dégager nous comme Jean-Jacques et permettre que
pour nous gain contrôle espace ça yo et empêcher que bandi yo prend contrôle et espace maritime nan. C'est vrai yo presque gain contrôle aérien par rapport avec la terre routio, mais je dis an nous empêcher que bandi yo pas prend contrôle nan mer et pas oublier que bandi yo mette de gros menaces et yo li met projecteur yo sauver Léogan nèg yo menacer attaquer et faire massacre dans ville Léogan que autorité yo comprennent danger qui gagne là, yo comprennent situation qui gagne là et yo capable prendre disposition et pour arriver résoudre ensemble problème qui gagne là des Ivenes. On souhaite que force de l'audio, il y a prend toutes mesures nécessaires pour battre contre bandi armé yo désir et sans pas oublier eh bien installation Leslie Voltaire comme nouveau coordonnateur conseil présidentiel transition mon frère. Situation et compatriotes en République dominicaine ne continuent à battre gros cassé. Réaction soit Premier ministre Dr. Gary Conis sous question, à réaction ministre Affaires étrangères qui bombarde les réseaux suite avec Jean et autorités dominicaines à déporter les Haïtiens pour venir en dedans pays d'Haïti. En pile, monde estime que question relations diplomatiques entre Haïti avec République dominicaine ne censé pas exister encore en façon que Yoel Luis Abinadel a légalisé racisme et déportation illégale qu'il a fait. Parce que en pile dans Mounio, yo gen 7 dollars dominicain, li déporté yo, et pa ba Mounio chance pour arriver la caillou. Même moun ki si nous risque pas épanier nan déportation massive qui a fait en République dominicaine, jounen jodi an blessé son, en pile haïtien, gen position yo, surtout si n'attende, on est tabou arabe, qui prend position qui déclaré les personnes, faut que yo ta bloqué yon ensemble frontière entre Haïti avec République dominicaine pour ba yon réponse. Et même malheureusement, ensemble autorité pratiquement qui dans pays d'Haïti yo pour prendre décision officielle. Si n'a tourné dans débat dans la Tibonite dans ça qui vient pour avec ensemble coopération qui pratiquement dans cocorat sans race pendant journée en présentation, n'a dit ailleurs te gagne un groupe citoyen. Yon ensemble organisation qui te al baillon conférence pour la presse devant commissariat Toussaint Louverture dans ville Gonaïve. Maître Robert Janit avec Maître Fritz Maguire te ba un message très clair avec nouveau DDA. Pour te dire, li pa ka vin passé en 15 mois, en 14 mois, même Jean agent Paul Menatefel, malgré yo remarqué, yo déclaré que c'est un complot pour yo barrer la Tibonite parce que dans Jean que vous fait quoi que vous voulez Paul Menal. C'est ça ses positions. Mais vous fait quoi? Caleb Exantus doit arranger pour mener opération pour démanteler gang dans niveau département de la Tibonite parce que je dis, yo pa ka parler de moyens qui pa gen. Là gen 11 blindés chargés d'armes. Dans le niveau département, il faut gagner démanteler ses positions ensemble moun yo dans le niveau département la Tibonite, la situation pour permettre que la sécurité retourne dans le niveau département. Et moun qui pratique en cours qui dépose son déo, qui vivent dans la ville de Semak, ou bien qui réfugient dans la ville de Semak, il y a des situations super difficiles et même très difficiles. Ils ont demandé avec autorité pour avancer plus vite dans le cadre d'opération qui a mené. T'es qui gros courir dans le poisson déo, dans la soirée et lundi, la situation. Côté rime, fait quoi? Mais Bandi Bas Gangriff a fini pour sonder encore, soit attendé à un ensemble de monde qui était sous place Philippe Guerrier, qui était senti situation était difficile pour eux, ils ont retourné. Dans pour sonder, tout le monde sont courir, prendre route pour y aller, c'est à pied encore. Ça veut dire, les gens ont toujours à vivre dans la pérèse totale. Bien, Lucel François, qui c'est un citoyen engagé dans pour sonder, qui confirme la situation, gagne 109 monde qui perdit la vie. Dans le massacre qui fait dans le poisson d'air. Lui seul, François, qui est un citoyen, qui te baille une conférence pour la presse, dans Port-au-Prince, côté de gagner divers autres citoyens pour son déquité là, et bien, monsieur fait quoi? Gagne 109 mouns qui perdit la vie dans quatre massacres qui fait là. Il parlait de 45 cailles qui passent en bas forme de fait, il parlait de 32 machines qui boulaient dans et attaque que bandit, basse gang griffio, te fait dans le journée 3 octobre là, dans le poisson d'air. Zach Sayo, diverses organisations qui défendent le monde disent qu'ils ne doivent pas arrêter impuni. Il faut qu'on bagaille qui fait là-dedans. Et de fait, pendant la journée, la police est en main avec opération au niveau département de la Tibonite, dans le Cocorat sans race, moun yon avali à Bakatan. Moun yon Bakatan pour yon attaquer Grand Griffe, les personnes. Et gen Kazek, troisième section dirigée à la Tibonite, là, Joseph Nomil, alias Koukoun, qui lance yon SOS. By la police. Pour dire qu'on épée Damoclès. Pendier sous tête, trois localités dans la troisième section communale de la Tibonite. Takoumiwo, Labadi, ok, Plasac. Bandi Bas Gangriffio préparé pour y avoir un massacre dans la zone ça. Pour qui raison? Il y a goumé pour y prendre contrôle dans la zone ça depuis un bon temps. Vi ke gen des jeunes garçons qui ont fait résistance, qui ont des âmes, qui ont des roches, qui ont des bouteilles, pour empêcher de arriver, ils dit bon, après on se sonde, il y a dans la zone ça pour y avoir un autre massacre. Autorité dans la police.
nous informer. Parce que depuis l'information est venue, nous-mêmes, nous partageons avec la police, avec l'autorité pour ne pas connaître. T'as l'air dit, c'est pour surprise. Eh bien, où qu'on est dans les sacs nouvelles, les gens préparent pour faire un autre massacre dans la troisième section communale, c'est qui vient à Tibéli, bien sûr. Moi-même, au compte ça, Kati, attention, je me dis, que je vais avancer dans les consacres, dans le même dossier de la Tibonite là. Moi-même, à moi, à coup, nous pas promouvoir ça, bandit, mais nous toujours voulons que partager ça comme information yo avec autorité concernée. Comment bien ça nous dit, hein? Nous pas promouvoir parole bandit. Si on m'en voit que, attendez que, les n'a pas les deux côtés que bandit yo ciblé, pour yo faire action. Au grand qui ça que nous attirons attention autorité yo, c'est parce que notre dossier massacre consondéen que habitants ou citoyens yo, y était pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, yo a alerté, y a attiré attention autorité concernée yo. Et nous même ici là, moi avec Désir Venesse, nous fait un pile émission sous ça. Nous partager un pile information sous ça. Nous attirer attention autorité sous ça. OK? Y a pas jamais te prend ça au sérieux. Et c'est les massacres là fin fait. Jodi, gè de moun ka parlé de plus que 100 combien moun qui mouri. C'est laisse à nous dans quelques heures. Dans jeudi 3 octobre là, nous est que autorité yo yo dépêché yo déployé plus passé une dizaine blindé. Alors que mon la Tibonite yo te dit avec force de l'audio dans plus haut niveau dans l'état seulement by la police dans département la Tibonite au moins 3 blindés sérieux. Et avec 3 blindés sa yo, y a capable d'arriver quand même de s'y tirer bandi bas grand grif yo. Yo pas de jamais fait rien. Yo pas de jamais dit rien. Mais c'est les massacres nan fin fait, c'est les sa autande, nan même journée yon, yo déployé autant de blindés sa yo. Est-ce que nous comprenons? Alors, ce que t'es que possibilité pour yo te éviter massacre sa, yo te ke possibilité pour te empêcher que bandi bas grand grif yo commettre au grosset ram sa sou moun yo. Yo pas te fèl. La police pas mette focus sous question anticipation. Yo pas anticipé nan anyen. Parce que nous gon l'état pompier. Nous gon l'état c'est là que kabri fin passé. Y a prélé fermé barrière. OK? Eh bien, je dis, hein, à chaque fois que moi avec Désir Venesse, eh bien, gen information yo, nous obligé rendre information ça au public, nous faire débat sur yo, nous faire analyse sur yo, dans l'idée pour nous capable mettre pression, ou dis-moi ce que, dans l'idée pour nous capable informer autorité nous yo. Pour éviter, pour empêcher, yon lot massacre après massacre qui te fait dans le Ponsonde. Nous te ka empêcher ou lot massacre fait après ça qui te fait dans ce moment là, oui. Nous te ka empêcher ou lot massacre fait après ça qui te fait dans la zone Gressier Mariani, oui. Mais Kounia, comme c'est Ponsonde qui c'est massacre ça qui fait avant-hier là, eh bien, on l'a attiré à ton autorité nous yo. Pour que pas gagner le massacre qui fait n'a attiré attention autorité nous yo pour que pas gagner l'autre espace pas gagner l'autre zone qui vient rentrer dans liste territoire perdu. Est-ce que vous comprenez qui le jodi hein? Nous croyons que le plus important que jamais que autorité yo dégage au coup mettre Jean-Jacques et yo prend toute disposition nécessaire dans aider résoudre et non éviter que bandits continuent à faire massacre après population en otage. Et pas oublier, population, ça qui en notre pays a besoin de vivre, il a besoin de fonctionner. Et si là, qui est dans la diaspora, il a besoin de rentrer la caillou des Irvenesses.
Bon, tout désir, mal qui doit avancer. M'attendez un pasteur qui a fait une émission évangélique sur son média, sur son si on bagay. Gombe pasteur a dit qui choqué pendant parler de diaspora haïtien. Monsieur dit Gonzan Mil, alors il te connaît qui c'était gros chef sécurité en dedans palais national. Tenez bien désir. Négaté gros chef sécurité en dedans palais national. Nèg a passé des années pour construire, réaliser ça le gagner dans travail dit pour lui madame petite li. Bandi pour ses dol ak madame petite li. Politicien gade do calé ça pour ses dol. Pays a pour ses dol. Jodian li vinn faire bois, li vinn faire sécurité dans ti business, non business au monde aux États-Unis. Li pas désonné non? Li pas désonné comme si mon qui sécurité, on ne pas ça me le dit tout non? C'est travail, c'est liberté. Mais kounia, comment on va comprendre? On a qui fait, ou moun qui fait des années, 15 ans, 10 ans, 20 ans, 25, 30 ans, l'iré dit le travail dit pour le construire, pour le préparer vieillesse li et pour préparer avenir petit li. Je dis à Bandi, mettez le yo. Et c'était une valeur dans le pays. C'est on a qui était responsable sécurité dans le palais national. M'a besoin de vous, son équipe au niveau, son intellectuel. Mais je dis, hein, PA pour ses dolls, bandit pour ses dolls, politicien pour ses dolls, les tombés, quand ils Sam, ils viennent faire job sécurité. Qui pas de problème job sécurité. Hein. Mais voilà, Mounsa c'est à recommencer que lié. Mounsa c'est à recommencer que lié. Et lui m'a fait tout 10-15 ans que le t'ai fait Haïti pour le t'ai construit. Ça le t'ai fait en Haïti. Hein? Lui qui doit prendre plus que 10-15 ans, 20 ans pour t'a reconstruit, ça t'a besoin de reconstruire dans le pays côté lié. Hein? Parce que ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas le même format. Ce n'est pas la même conception. Je dis à quel moment dit oui, États-Unis offrent des avantages au pays opportunité. Oui, nous d'accord. Mais quel moment 10-15 ans là pas cap opportunité, non? Ah oui? Il y a un qui a 10, 15, 20 ans avec pas capable d'opportunité, non? Parce que condition tellement en pile, exigence tellement en pile, il n'y a pas capable d'opportunité, non? Ça va le dire. Ça va le dire. Ça va le faire comprendre, je dis. Hein? Alors, vous pensez que, les que ni moi ni désir à boumé, à demander la caille bon, hein? M'en résume. Parce que, moi, connais si la caille bon, si la caille bon, n'a pas au moins 40 à 45% haïtiens qui dans diaspora cap retourner la caillou qu'elle vive Haïti. C'est la caillou bon, si gè sécurité, si gè la paix, si gè stabilité, si gè travail, si gè tout ba ka fonctionner, n'a jeune 40 à 40% haïtiens cap quitter pays côté oyen, yo pral tourner vivre en Haïti. Parce que c'est pas beau ça pi bon côté oyen vraiment. C'est pas bon côté oyen pi bon que ça. C'est pas bon le piment que ça. Parce que quelqu'un qui a 20, 25, 30 ans ici, qui va capoter dans le caï, non? Quelqu'un qui a 20 ans, 25, 30 ans États-Unis, qui va capoter dans le caï. Et pas critiquer tout ce qui va gagner. Pas critiquer. Parce que quelque part, l'IGE doit avoir des conditions pour le remplir, que le pas remplir. Le pas remplir. Parce que c'est pas qu'il y a un monde qui va t'arriver vide de luxe. Pas qu'un monde qui va t'aimer vivre bien, pas qu'on est, pas qu'un monde qui va t'aimer vivre bien, qui va t'aimer un bon matin levé, les petites machines ni, qui va t'aimer un bon matin levé, la passe clé ouverte barrière la caille pour la caille ni, pas qu'un monde qui va t'aimer ça. Mais je dis hein, si pays a des sécurité, des la paix, des haïtiens qui dans diaspora. Je t'ai fait pigo exploit en Haïti qui à l'étranger. Moi je d'accord avec nous désir. Gen de haïtien, m'a dit ça. Qui gen 20 ans, 25 ans à l'étranger. Si était Haïti, Haïti te gen conditions te réuni, bien dit oui. Conditions te réuni,
t'es que sécurité, t'es que travail, t'es que infrastructure, t'es qu'on s'en va qui t'a fonctionné dans le pays, hein? Yo t'a fait un pile exploit, un pile succès. Et yo t'a stabilisé la vie, yo. Malheureusement, pas rien ça qui fait. Et ça faut qu'on ouais. Mon a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans aux États-Unis, pas qu'à réaliser rien. Il va gomo sokay. Parce que tout ça, il est obligé, chaque mois, l'être travail, rédit travail pour payer bill. Mais vous ne pouvez pas comprendre tout, oui, mes amis. Grand pays, ça offre nous des opportunités, certes. Mais il faut nous limiter opportunité au bas, nous, tous les apprendre nous-mêmes. Parce que sinon, puis de vous, le casser dans. Sinon, puis de vous, le problème. Je ne dis pas pour que comme l'homme, pour pas mettre dans la vidéo luxe, là, non. Mais quand même, on ne peut pas faire comme excès tout. Et que moun konnen jodi a yo di ça. Si la kayte bon papa, il t'a pas investi la kayo oui. Mm-hmm. Il t'a pas investi Haïti oui. Mais pas une garantie. Parce que au bon matin, ba di ka leve le crase business li. Au bon matin, ka leve le voler bin dans business nan. Yo bon matin, yo ka leve tout yemet business nan. Et l'état pas aucune garantie qu'il ba aucun moun. Et ça fait jodi hein que ensemble de Haïtiens qui dans diaspora, c'est pas volonté pas ta pour investir en Haïti non. Mais c'est condition. Et ça fait, doit y ait des obligations, doit y ait des exigences, qui doit prendre bon côté autorité, yo, ça qui la, ça qui a vini, yo, mes amis, mettons-y la paix dans le pays. Et ou même qui sont bandits, ou même qui sont criminels, ou même qui sont un assassin, qui fait partie et qui base, et ma connaît, criminel vivant ensemble. Monsieur, gardez bien pour nous, gardez dans qui ça met le pays. Yo. Pendant cette année, utilisé. L'idée politique utilisée nous, pouvoir utilisée nous, oligarque combien utilisée nous, des mouns dans la société civile droits humains utilisée nous, des mouns dans la diaspora utilisée nous, des mouns dans la communauté internationale utilisée nous, et yon utilisée nous comme propre haïtien pareil nous. Je dis, gardez qui s'en est du pays, hein. Je dis, gardez qui s'en mette pays, monsieur. Moi, je prends conscience, comme nous avons conscience que nous apprenons, mais le fait que nous ne prenons pas conscience, mais que l'autorité, la plus haut niveau dans l'État, agit contre nous, monsieur. C'est trop et c'est trop à tort. Désirement de ça, mon frère. Selon vous-même, est-ce que ouais, si effectivement que la police, force de l'audio, mobilisée, soit dans base Cocoat sans race, et pral ta pral vin ta pour mobiliser dans base grand griffe dans sa vie, est-ce qu'on est vraiment gagné espoir si que gagne yo motivation gagne bon planification gagne moyen pour que dans un clin d'œil babay moi dans un clin d'œil pour ta décider démanteler question base ka bay problème dans la tribune en Isvenes les possibilités ou là moyen ou là population motivée pour bataille pour changer conditions vie population dans ça qui vient pour avec question insécurité et pas seulement dans la Tibonite là mais c'est dans toute la Tibonite en général parce que toutes conditions réunies vous avez tout secteur qui a victime là de ça qui relève insécurité là. Exact vous avez tout le monde qui a assoiffé pour une sécurité pour qu'a reprendre vie normale ça qui dans commerce ça qui dans agriculture pour retourner ça qui dans enseignement au moins pour être capable de traverser pour y aller et dispenser cours dans l'école yo ka permettre que tout monde au moins préparé pour meilleur des meilleurs et autorité la police la justice qui dans niveau département la Tibonite yo dans modèle motivation que yo gagné dans vini yo par rapport avec déploiement c'est que en pile monde te souhaité dans département la Tibonite qui pas jamais fait pendant le fait là s'il kembe au sérieux pénétration a fait et question renseignement que la police cap manqué dans le département de l'SPIA, li pas manqué dans le département de la Tibonite. Parce que la majorité de monde qui dans l'espace gang, dans la Tibonite, yo en captivité, ou pas bien trois monde qui d'accord pour gang dans l'été. Li pas même genre avec quoi de bouquet. Que ouè moun yo a dit non, la police pas de vivre dans la zone, c'est bandit yo qui dirige. De notre rivière la Tibonite. Moun qui rete yo, en pile dans yo, yo pas bien côté pour y aller, ou bien yo te sorti. Yo t'a fait expérience pendant un an de yo. Il y a une situation difficile, il y a dit bah retourner la caillou, il y a vinn mouri la caillou, mais moun sa yo il parle pour collaborer. OK? Non manière ou bien l'autre avec la police, toutefois que opération a fait sérieux et puis il y a discrétion dans responsabilité qui a prend dans cadre pour neutraliser gang et puis consolider ensemble espace parce que ou pas rentrer dans base corporate sans race qui pratiquement gagne
plus sorti 2019 et pour arriver aujourd'hui la prenons extension faut au moins ou consolider espace hein? OK avec la police blindé et antenne qui pratique pendant sa vente désolé à pour faire fonctionner dans ça vient tout près là dans localité Lambert bon noyau qui dans espace à côté militaire équatorien yo de ton descend pour faire et militaire en force armée d'Haïti diverses unités dans la police surtout unité d'élite de combat yo ou permettre que vous contrôlez l'espace ça à partir de ça ou cap dictateur tout mon cher et problème insécurité à résoudre les zones mais si ça pas arrivé fait nous garantir de ne pas consolider l'espace, c'est laver mais si y a tes concentration qui dans ville Saint-Marc il pas ta durée dans ville Saint-Marc concentration ça t'a de déplacer et permettre que la police contrôle yo ensemble des axes tant qu'on te dit dans mise en protection ta faut diriger la Tibonite c'est une dans zone qui permet que bandi approvisionner parce que pas de présence force de l'audio. OK? La police t'a dû arranger, chercher, pénétrer, prendre contrôle centre-ville Tibonite la Tibonite pour contrôler les ça pour permettre que bandi yo pas ka faire en haut, yo pas ka faire en bas. Ou permettre que ou confiner yo ou asfixier yo dans base yo là ça la baie facilité avec pénétration côté ou baie ou gaz et puis la police a rentré pour aller mettre main sur nerf quelque soit genre ou t'as parlé des pièges et pas oublier tant comme te dire blessure que nous te présenter déjà là ou gain un département qui pas même Jean lié Port-au-Prince côté toutes les qui gain zam yo fait partie vivre ensemble dans département la Tibonite gain des groupes opposés face avec grand griffe face avec cocoratras. Ça sont l'autre avantage que la police a gagné. Vu que vous avez une population qui a fait expérience dans crasé gang, dans tant crasé gang déjà avec Jagadet et puis même l'idée ça, il toujours été manifesté, il toujours bon côté population qui est dans niveau département de la Tibonite qui a soifé sécurité. Mais qu'on y a posé des conditions. À rentrer dans opération avec la police, faut que c'est pas l'opération pas de paille. Une essayer checker là et puis yo tout y a des trois bandits et qui devant bande là. Et puis au virer aller la salle va peut-être beaucoup plus pour une victime dans la population mon dans le département de la Tibonite disait pas modèle opération ça que vous souhaitez mais c'est une opération qui bien cadré qui cap voté résultat à résoudre crise ça que nous gain là plus façon même pense que c'est volonté pour gagner volonté de gagner la caille autorité nous yo et avec autorité ça yo ça on pense que et m'a toujours dit parce que moi avec Désir Venès nous pas expert dans la matière et même l'un des experts dans la matière tout nous pas d'abjem kavina exposé et plan bataille la police nan ou dimens j'ai pour le goumen et gens que pour le résoudre un ensemble de problèmes mais que à toute population que nous tout connaît déjà attend lycée un bon matin que lever question insécurité al kaba pas seulement dans la Tibonite mais dans tout pays hein, OK et c'est ça attend nan ouais que moun ap capable circuler et sur le sud là en Zimatis Fontamara ouais moun ap capable circuler sur nord là et zone Canaran ouais moun ap capable circuler en bas Mont Cabrit ouais moun ap capable circuler dans tout pays hein ouais que la vie reprend ouais que tout moun ap capable fonctionner et c'est ça à peuple haïtien et c'est ouais tout que équipe qui là que li organiser élection crédible honnête démocratique et permettre que yo capable renouveler personnel politique haïtien parce que nous pas qu'arrêter dans un sanelé éternel de transition et qui pas jambe bois pour payant et n'a clairement dit que je dis en situation ça désir librement pas être très compliqué. Kounia désir on nous garder non dossier qui est pour avec situation compatriote haïtien dans ces domaines. Bon. Blaise, c'est important pour nous garder modèle situation qui a passé là je dis en République dominicaine. Mais c'est pas République dominicaine tout simplement faut que nous dit c'est à travers monde là n'a garder un traitement spécial qui a bail haïtien. C'est ça qui cause ça. Qui côté niveau raciste ça sorti qui ça qui permet dans plein 21e siècle et puis ou garder ou ouais des pays qui disent que il a appliqué ou bien yo sous onde de la démocratie et puis il a fait ça qui a fait la rudière en dehors convention en dehors traité que aussi Blaise m'a regardé ensemble image m'a tendé cri ensemble compatriotes qui en République dominicaine moi-même qui me fait mal. Parce que l'entendre Luis Abinadel, entendre qu'elle soit libre ensemble de Mézi, pour le déporter chaque semaine 10 000 haïtiens. Et où est-ce que vous t'emmenez avec une vitesse, et une vitesse que vous t'emmenez, vous n'avez pas une personne, que vous légal ou illégal. Depuis que vous prenez la rue, vous n'avez pas besoin de connaître si vous avez une pièce ou pas de pièce, vous voulez la caille.
Ça vient permettre quelques patriotes haïtiens qui vivent en République dominicaine, et en pile dans yo, qui pratiquement trouvé dans une situation où ils ont mouru grand goût. Parce que yo pè sorti pour y acheter dans Colmado. Yo pè sorti pour y chercher ti kishoy pour mettre en dedans là. Parce que yo mettent en tête yo Dominique pral prend yo. Yo pè vini Haïti parce que on est gon l'enfer. En Haïti capitaine yo, l'enfer a pas l'autre, c'est insécurité a. L'enfer a pas l'autre, yo garder chômage là. C'est vrai qu'il y a yo gagné yon chômage déguisé en République dominicaine parce que yo cap travail pour faire 2000 3000 pesos. 2000 3000 pesos li aide yo pour yo capable survivre en République dominicaine, li aide yo pour aider en famille qui ont parti quitter en Haïti, mais yo sans respect en République dominicaine pour capable remédier avec situation. Chancelier haïtien, de prendre responsabilité, n'a parlé de madame Dominique Dupuis, c'est pas écrit sur plateforme réseau social tout simplement. C'est pas faire déclaration dans la presse tout simplement qu'a changer et donner, mais faut qu'il y ait des dispositions diplomatiques qui prend soit à travers frontières, à travers ambassade, et République dominicaine montre qu'elle parlait des relations avec les Haïtiens. Yeah. Qui ça permet que nous-mêmes, les Haïtiens, nous continuer à traîner pour avoir une relation avec nous. Qui ça explique où c'est Haïtien, où qu'on y a déporté Haïtien, qui ont été légal ou pas légal, ou continuer à être en République dominicaine. Volontairement, pas décider de dire, bon, ma bac la carrière, ma retourne la carrière. Qu'elle me vive, qu'elle me va vivre, mais qu'elle vienne vivre la carrière. Si elle mourit, elle mourit, qu'elle m'a mourir la carrière. Parce que non, ça m'a gardé là, yo. Gen des dommages, gen des séquelles, cap grété. Yeah. Bon côté compatriote haïtien qui est en République dominicaine, qui est dominicain, qui a mal grété les personnes, la bien long durée. La bien, on long durée sur la vie, on sa yo. C'est ça fait qu'elle est important, hein? Qu'elle essaie donc de garder le niveau de conscience patriotique, bon côté monde qui est dans le pays. Ya. Surtout si là, qui est dans le poste décisif, yo. Pour préparer, pour lancer appel à retour fraternel pour les haïtiens qui se trouvent en République dominicaine. Dans une minute qu'on a parlé, on a connu des situations très difficiles. C'est pour ça qu'on a demandé, compatriotes qui en République dominicaine, où est l'espace commentaire? Où est l'espace commentaire pour réagir? Dis-nous ce qui a passé. Dis-nous ce qui a passé dans la ville Kotoya. Dis-nous ce qui a passé dans la province de République dominicaine que vous avez. Qui j'en ai traité haïtien? Partagez l'expérience avec nous à travers un texte dans le commentaire. Réagis dans le commentaire. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas traiter. États-Unis, tout simplement, pour nous regarder, Jean Donald Trump a traité Haïtien qui est dans Springfield, Ohio. Mais nous avons regardé en République dominicaine, qui a passé 25 années à Baïkout, mais avec Boyer. Selon eux, c'était un mal que nous avons fait, parce que nous avons fait tant. Nous avons gaspillé un temps. Sans pas reconnaissant des goûts de liberté que nous mettons dans le bouchon. Nous avons besoin de son exemple. Blaise, il n'est pas trop tard pour nous changer la situation. L'Inde prend décision de faire canal immigration sur la rivière Massacre. Nous tous nous te ouais. Comment Luis Abinader te campé? Si c'était pour l'autorité haïtienne, des personnes, question canal immigration sur la rivière Massacre là, il va t'arriver fait. Exactement. Et bien, c'est ça que fait. Nous devons arranger nous à la haïtienne. Dans une synergie solidaire, dans une synergie fraternelle, pour nous prendre des décisions qui cap montrer l'autorité dominicaine. Parce que des trois jours, nous fermons toutes frontières, il y a après les en moins. Même monde qui peut-être a encouragé ça, yo, parce que secteur privé des affaires, surtout si là, ou qui dans le secteur agriculture, il y a un ensemble de produits qui ont fait, qui exclusivement cabine vente en Haïti sur le marché haïtien. Il n'y a pas qu'à perdurer, il n'y a pas qu'à faire le temps. Depuis qu'il n'y a pas venu sur le marché, et il y a eu le marché bilatéral, mais qui n'est pas bilatéral, il y a eu un déficit. Il y a eu un levé dans le FIF, gouvernement dominicain, il y a suspendu. Laisse ça, il y a eu un mandat, il y a eu un forcé pour retourner en République dominicaine. N'a dit yo non parce que nous pral créer un avenir qui ka permettre moi-même ou même nous travail nous rete la canne sans pas courir pour aller en République dominicaine et ça a besoin pour créer climat de sécurité pour nous suspendre goumer pour pouvoir pour nous faire comprendre qu'il y a un pays qui est en danger pour nous faire comprendre qu'il y a un peuple qui est en danger quel que soit côté lié par rapport avec modèle comportement autorité sans caractère sans vergogne qui rive dans pouvoir qui permet que moun sa a traité nous très mal. Parce que si vous regardez, on est qui président, on est qui premier ministre, dans la dimension mal que la traité haïtien, et bien yon même tout, yon rentre là-dedans. Et si vous attendez, ou après autorité dominicaine, yon dit ça fait à la part rien. Devant ça, yon pour yon faire. C'est pour l'État haïtien, pour yon responsabilité, parce que pas qu'il y a un peuple qui massivement déplacé, quand il y a une République dominicaine. Mais on parle de 10 000 moun qui a déporté chaque semaine de l'expression. Qui sa audite tout? Qui sa comprenne? Ou après, on bon valet,
peuple haïtien pas vivant dans pays yo en République dominicaine. Est-ce que moun sa yo c'est difficile avec République dominicaine fait? Maintenant, bah quoi? Il y a augmenté économie République dominicaine. Parce que Mendez ouvrier et République dominicaine là, ou vient en pile haïtien là-dedans. C'est haïtien qui a le travail. Si je dis hein, tout haïtien décide de déporter pour venir la caillou. Et en pile dans businessman entrepreneur qui en République dominicaine, yo pratique pas pour nous servir. Avec immigration, pour qu'on fasse répression. Vous savez, avec immigration, pour qu'on fasse répression. Tout. Parce que, moun yo travaille pour pas payer, les personnes, eh bien, y'aurait des immigrations pour faire moun sa au courir, pour qu'on pas toucher l'argent de travail. Yo. Je veux dire, nous besoin de mettre des structures. On sait pas qu'il y a ce respect, ni pour convention, ni pour traité, qu'on signe ensemble. OK? République dominicaine va respecter ça. La agide de la loi. Nous-mêmes, nous va arrêter de croiser les bras pour nous garder, pour nous observer, pour nous quitter la marche comme ça, les expressions. Je dis à moi un peu haïtien qui lance opération ferme frontières. Moi un peu haïtien a parlé de ça. Haïtien qui en d'un pays, hein? Haïtien qui dans l'autre pays passé demain seulement, mais l'autre côté à travers le monde et qui a suivi, qui a regardé et comportement méchanceté que l'État dominicain que Luis Abinader a dirigé a fait avec compatriotes haïtiens ces domaines-là. Et dans ce sens, ça, moi tendez et moi ouais. En pile haïtien qui a parlé de opération ferme frontières. Pas pour bay réponse avec l'État dominicain. Nan façon que y a matérisé, y a maltraité haïtien par une frenche nou yo. Est-ce que moi-même moi partage avion? Est-ce que me compte avion? Moi-même comme haïtien d'abord, m'a dit oui m'da partage avion. M'da dit oui m'partage avion ferme frontières. Mais kounya, si m'gal vini comme journaliste et directeur d'opinion, faut que moi gade bagaylan non l'autre façon. D'abord, faut m'gade sous plan diplomatique. Ça veut dire qui ça? Nous pas dit que l'État dominicain, nous pas dit que Luis Abinader pas mette principe la kaili. Nous pas dit ça. OK? C'est même j'aime la kay moi. Moi c'est mari, c'est papa, c'est chef kaylan. Et ma voisin k'ap vin di m'blaise. Mon cher men ça pour mettre comme principe la kayou. Même j'aime baka voisin baka vin di ça. M'baka le di voisin mais comment pour mettre principe la kayli. Mais gen on façon capable voisin a agi. Ou bien gen d'a façon voisin gen d'a m'a agi. Il doit relim, il parler avec m'. Les im sim te mwen même ou même mais qui jan mais qui façon d'a fait ça parce que nous c'est voisins yon a besoin l'autre et si gè problème c'est yon qui pou voyager sur l'autre parce que nous konnen de yo di voisinage c'est drap blanc parce que toute fréquence où est que Luis Abinader l'a fait là toute maltraitance que moi agent immigration, la police dans le pays de domaine, soldats de l'armée dominicaine, affaire haïtien là, yo konnen de décision. Si jodi an la comme haïtien nous prenons décision sa yo, n'a soulevé entrepreneur dominicain contre l'État dominicain. Et je dis, c'est ça que je veux comprendre. Ouais, si jodi an la, nous lançons opération ferme frontières et pas aucun produit dominicain qui rentre en Haïti. N'a résigné nous parce que nous t'ai fait plus que 1 mois, 2 mois, pour aller 3 mois. Dans dossier canal qui yo t'ai décidé de fermer frontières yo t'a fait fréquence yo t'a dit oh n'a fermé frontières hein parce que nous connaît depuis fermer frontières il y a pour camper sur ce canal là nous t'ai montré qui avec Luis Abinader c'était fréquence nous habitué souffrir nous connait goumer n'a résisté. Jusqu'à ce que c'est eux-mêmes, tellement que entrepreneur Dominique a mis pression sur Luis Abinader, eh bien, dans un pile plein, il a pris souple, nous est que frontière est venue ouvrir et commerce haïtien. Mais vous utilisez des sous-frisquins haïtiens tout. Exact. Voilà, n'oubliez pas ça. Moi, je me pose cette question qui gens, groupe haïtien qui a participé dans le bagage, qui j'ai ressenti aujourd'hui par rapport avec ça, ou qui a passé en République Dominicaine dans cette version. Exactement. Je parle de ça vraiment. Nous sommes des équipements qui étaient dans la machine, qui ont crasé barrière
barrière et frontière entre Haïti avec ces deux mêmes choses, j'ai ça vraiment. Mais grand pile en retour, il était arrêté, il était jeune Simon et pièce surtout. Mais je dis hein, moi-même ça m'a dit si l'État haïtien bon côté pâle n'est pas décidé parler diplomatiquement avec l'État dominicain que haïtien yo prend décision yo. Si l'État dominicain, l'État haïtien, yo pas décidé chita discuter parler la question vague déportation ça que Luis Abinader a fait là, eh bien que haïtien frem sem yo que yo même yo bay réponse avec Luis Abinader. Je crée sous ça moi-même. Ne pas faire avec violence, j'ai affaire là non. Mais n'a prend décision, n'a ferme frontières yo. Ou dis-moi ce que n'a prend de décision, ne pas consommer pendant période de temps produits dominicains yo. Pour moi les ça qui prend le comportement entrepreneur et dominicain yo envers l'État dominicain. Parce que Haïti, li c'est plus gros marché que dominicain découle marchandises li. Ça veut dire échange commercial entre haïtien avec dominicain, mais Haïti c'est plus gros marché si m'a trompé, mais c'est deuxième marché que l'État dominicain découle marchandises li. Alors c'est plus gros Haïti, c'est plus gros que l'autre côté République dominicaine car Haïti le produit qu'elle gagne dans Caraïbes là que Haïti qui est une vulnérable. Haïti qui yo mette dans l'impossibilité pour le travail sous toute forme. Exact. Parce que yo finance l'insécurité, l'instabilité en dedans pays pour ne cap toujours acheter la même. Et ou apoué, République Dominicaine gagne des produits yo fait exclusivement pour Haïti, qui pas qu'avant pièce côté sur la terre bénible de personne. Et ensemble, autorité qui dans l'État yo pas gagne des laboratoires pour vérifier ensemble produits qui a vendu. Cap sont en République Dominicaine pour une vendre dans pays ya. Majorité, à la majorité, ça n'a pas mangé qu'une pas fait. Dans le pays d'Haïti, il soutient la République Dominicaine. Exact. Nous avons besoin de sous ça. Et en pile, nous n'avons pas résistant. Je veux dire, si nous arrangeons pour nous déclencher une résistance, pour nous dire, nous pas faire échange commercial avec nous, qui met tout ça à faire la caillou? Parce que si vous parlez de la caillou, qui met tout ça à venir vendre ce marché? Vous pensez que l'État dominicain qui t'a arrangé, qui t'a financé, qui t'a bail l'argent, il va arriver dans un mouvement pas de faibli? Mais malheureusement, il y a toujours utilisé des Haïtiens. Il y a toujours des Haïtiens qui ont passé en bas fil qui pourraient l'acheter dans le même quand même, de manière illégale, qui fait paraître l'aide devant eux, qui fait paraître et ils ne pas respecter nous. Même quoi, on joue dans le quotidien, blesse. Tout Haïtien a révolté, il a privé comprendre que celle conscience pour la République Dominicaine, on les sent pour retirer le pays sous contrôle, surtout vote nous sous contrôle République Dominicaine. À partir de ça, il a commencé à comprendre, il a pris bon signe. Le regardé, ouais, tout Haïtien a parlé même parole. Tout Haïtien a pris la même direction. Tout ça qui a monté plus sous de haut là, c'est parce que yo, ouais, divers Haïtiens campés ont dit non, yo pas d'accord. Militaire dominicain vient fouler sur les Haïtiens parce que William Moutot a annoncé qu'il y a gagné un militaire dominicain, il a remercié Luis Abinader. Ça fait enrager parce que ouais, Haïtien pas voulu cohabiter avec eux. Ou ça qui a fait Haïtien. Bon, pas traiter bien la caillou et pour besoin de venir là, sous sol pas maintenant, ou tu vas venir participer dans mettre sécurité la caillou pendant ou même ou participer dans mettre insécurité. Majorité gros infrastructure qui pratiquement gagne dans tout dernier moment yo. Et ensemble, entrepreneurs qui ont quatre couilles qui étaient Haïtien, en République Dominicaine, il y a l'investir. C'est là où il y a l'investir. Quel est dans le secteur culturel, quel est dans le commerce, quel est dans le mode, c'est en République Dominicaine, il y a ensemble, ça, il y a côté l'argent, il y a côté emploi dans le pays. C'est responsabilité pour nous faire respecter. Et si nous prenons responsabilité, nous avons respecté la situation. Mais les clients désirs, nous te faisons déjà, nous te faisons la Kanawana maintenant. Notre Kanawana maintenant, c'est un exemple vivant qui lié. Kanawana maintenant, c'est un exemple vivant. Parce que l'État dominicain n'a pas jamais pensé que si Haïtien est arrivé à faire canal ça. Parce que maintenant, nous avons commencé à faiblir. Nous avons tout pression qui existait. Nous avons un style campé, style motivé, style mobilisé. Jusqu'à ce que Haïtien à travers pays, Haïtien à travers le monde, mobilisé pour faire canal de résistance ça. Et je dis qu'il symbolise canal de résistance, canal de dignité et canal de fierté peuple haïtien. Mais je dis, côté Haïtien ça yo,
qui te campé, te mobilisé pour te faire Kanawana mettre. À côté nous, Josia enlevé campé pour nous dire Luis Abinadel campé avec déportation raciste que la fait. Campé avec maltraitance que la fait haïtien. Campé avec toute forme d'exploitation. Josia vidéo et photo et viral sur les réseaux. Je qui a matérisé, y a maltraité haïtien yo. Et meilleure façon, m'a dit, m'a prédit encore, que nous capables bay réponse avec Luis Abinadel, je dis, hein, si l'État pas capable lui-même camper, si l'État lui-même pas décidé, fait Luis Abinadel respecter sa crélé convention et traité qu'on signe ensemble avec Iran. Parce que qu'il y a ensemble de traités, qu'il y a ensemble de conventions que nous signons avec vous. Si vous n'avez pas qu'à respecter traités et conventions qui est pour avec Sanélé et déportation et rapatriement, mais que peuple haïtien à vos côtés parle, qu'il prend responsabilité. Et m'dou joudil, destin pays ça, li nan men haïtien. Et c'est haïtien qui pour retirer Haïti dans sa lié là étranger hein pas jamais les retirer pour sortir la donne parce que il y a besoin de rester dans misère hein il y a besoin de rester dans calamité hein il y a besoin de rester dans chômage là dans insécurité hein parce que avec situation ça yo yo fait capital yo fait beurre yo je dis hein est-ce que n'a accepté pour que continuer rester sous tutelle Mounsayo, pour que continue rete sous l'obédience Mounsayo, qui sait exactement n'a décidé fait. Et je dis, hein, moi crois que nous devons prendre engagement, nous devons prendre responsabilité, nous devons prendre destin nous en main pour une fois pour toutes, pour nous faire l'État dominicain respecter haïtien. Et dirigeant qui l'a yo, et capété, gouvernement koni, messieurs, dames, faut nous parler, faut nous discuter sur le plan diplomatique avec l'État dominicain, dans la façon qu'il a déporté, il a rapatrié Haïtien frère Sun yo, dans de mauvaises conditions. Trop abus, trop maltraitance qui a fait Haïtien dans un moment. Et n'a dit Haïtien frère Sun yo tout, nous-mêmes, que soldats dominicains, apprends-nous, pas dans goumen avec eux. Pas dans courir. Parce que dans courir, on est capable de blesser, on est capable de tirer, on est capable de battre, machine capable de frapper, on est capable de crier. Pas dans courir, elle fait ça. Yo. De ce fait, ils décident de prendre, obtempérer, obéir, quitter, prendre, ils vont dans le pays. Parce que sinon, ce n'est pas dans l'enfer à vous. Bon, c'est l'enfer quand même, dans Haïti là. Mais c'est pas en bas à tout voyo. Comprendre que, sous Géchès rentre Haïti, ou retourne là à côté de yon, bah quoi bon diable qui te mouri. Et ça fait, moun ki la ou comme autorité, et si la kap vini après yo, messieurs dames kap gebo vini yo, comprendre, nécessité, obligation qui gagne, pour nous l'autre Haïti. Pour Haïtien, pas force qui te pays yon. Pour pouvoir chercher la vie mieux de l'autre côté. Pendant que Dominique a fait une misère ça, autorité jamaïque yo déporté 20 haïtiens qui t'a peut-être rentré illégal dans le pays Jamaïque. C'est partout presque à travers le monde là, haïtiens a cherché la vie mieux illégalement. Ça mouri dans la main. Ça requiert manger. Ça qu'a prend humiliation pas ta swell en bas mais l'autre étranger, en bas mais l'état l'autre pays. Je vous dis à que obligation il y a nécessité pour que ensemble nous gommons, ensemble nous travaillons pour nous résoudre le problème de Désir Venès. En regardez de ces KPTA, conseil installation, laissez voter la Désir. Restation, installation et laissez voter comme nouveau président, conseil présidentiel de transition, on l'autre fois le montrer qu'il y a un pays qui a effondré, un pays qui a perdu. Parce que hier, ce n'est pas qu'à transférer devant la justice. Et demander la justice, mettre action publique en mouvement contre trois conseils présidentiels qui impliquaient dans le scandale corruption. Et puis, il y a un droit de signature
dans la résolution, dans la décision capitale pour l'avenir du pays. Ainsi, nous avons une question de corruption, il y a presque un bagage légal dans le pays. Et c'est les rois dignitaires de l'État qui décident. Est-ce que Edgar Leblanc-Fils marque un point par rapport avec quelle position? Et moi, à 30 janvier, prends position pour demander Edgar pour le retirer l'école dans le conseil assassin, dans le conseil braqueur. Parce que tout le monde a entendu la situation pour constituer les postes de péage, même dans le gang de l'affaire sous la rue. Son style de postes de péage qu'il y a eu. Allemand de 100 millions de gouttes dans BNC. Et nous avons commencé à recevoir l'argent à travers Crédit 4. Nous gardons la quantité, nous attendons Edo, c'est la terre Edo Zeni. Nous avons maintenant qui niveau que nous avons fait la voracité pour nous guetter des babacata, parce que nous connaissons pour 4 qui ont le payer, automatiquement, ça a rien sur lui comme l'argent au fin de dépenser. Eh bien, Raoul Pascal Pierre-Louis, qui pratiquement est président du conseil d'administration de BNC, a pris l'argent. Tout le monde a dit, il a pris tant de rapport ILCCA. Pourtant, dans quel niveau que n'ego pas catholique, n'ego c'est faux libre grand pouvoir qui ont gagné, et net ça pas bien pièce respect devant communauté internationale parce que yo connaissé droite longue supérieure qui ont eu, yo connaissé vicieux qui ont eu, y a prendre traité au bar n'importe qui l'autre, et net ça yo très ici, y a prendre n'importe l'autre, y a faire n'importe qui bagaille, l'autre bagaille qui me saisi, c'est moi militant la valeur, ce film est mort, yo m'a dérangé. Oh, je suis pouvoir, mon cher. Parce que yo reprend pouvoir. Exact, pour 5 mois. Li pa même suis dans moi il y a qui t'a fait pile des gars pendant 5 mois ça tout même garde Paul Jérôme Jean-Baptiste ah non papa la parle pas de moi parle de moi on parle de moi c'est monde monsieur pas monde mais je reste avec monsieur pas monde même monsieur pas monde papa va parler comme si on attendait monsieur Kapzi monde pas emmerder Paul Jérôme Jean-Baptiste comme si la valeur ça nous conseille on est pas ça venir craser comme ça non moment mais le grand c'était le général Gilles il t'a dit pour pas emmerder. C'était Ariel qui t'a dit pour ne pas émerder. Je dis, c'est Leslie Voltaire. Et ouais, on sait que des nègres qui réclamaient comme militants la valasse, qui sentent réjoui, qui sentent content, qui a dit, bon, ouais, là, nous pardonnons sous capacité, non. J'en vais être réussi, parce que mon sens, c'est Aristidien qui est. Nous n'avons pas de problème avec position politique. On est. Si la valasse conscient, dans ce pays, il y a là, il a contribué là-dedans, il a participé là-dedans. Pendant 5 mois, yo ka ba un coup de main. N'a dit bravo. Mais kounya on essaie donc de faire évaluation. 5 mois pas Edgar Leblanc-Fils. Qui ça gagne comme bilan? Qui ça bilan? Qui parle pas? Qui ka fait mettre espoir sur l'autre nèg ka vinn faire 5 mois là yo, y a vinn ka changer de nom. Moins que corruption que wap jwenn. Ko wap jwenn à partir de 18 mai, nèg yo prend l'argent. Ouais, bien dans question service d'intelligence ou renseignement, nèg yo prend l'argent. Quantité kay que nèg yo bay pour payer kay, nèg yo prend l'argent. Dans BNC, nèg yo dans scandale l'argent. Mais kounya on garde ça qui vini pour peuple haïtien. Si ça yo mandé sécurité. Yo pa ka jwenn ni malgré conseil présidentiel yo arrangé pour monter yon conseil électoral ban manan. Yon conseil électoral champouel. Majorité sectaire qui la donne contesté libacable avec pas gain rien qui retourne autour de la population dans 5 mois et Edgar Leblanc-Fils. N'a continuer patauger nous d'accord n'a continuer quitter le marché et chaque nèg vinn font petit pout pour les moi me songe m'était l'école et dans lycée et puis te gain gros glace gros ciment et 6 ans mien qui gain bicyclette vinn avec c'est soit balle on dégout de 3 gouttes pour faire 4 coups de bicyclette pays a tourné dans tradition que m'était gain l'école. Non faire coup de bicyclette. Chaque nèg a bin font coup, chaque temps passé au faire des rives par yo. Et ou la communauté internationale là, yo remet là dans situation ça. Ou après yo senti confortable yo venir participer. Yo confortable yo venir participer. Parce que sur majorité a songé. Le Voltaire était déjà dit et au te compte que ça t'a préparé comme coup parce que il te dit conseil présidentiel là a fonctionné normal, yo prend toute décision ensemble. Malgré soupçon corruption qui gagne. Son paquet de conduit, son paquet de drug dealer, son paquet de chef gang, qui fait office la présidence, pas rien qui n'a pas fait la situation, et qui dit que le peuple a aidé dans sa niable. Moi-même, je suis en train de finir comme ça, mais ça m'a dit clairement. Et, ouais, conseil, là, comme songe, et Wendy Bernard te dit,
conseil sur six ouais gagne cap gagne gros pied gros ma couclou parce que tellement n'a pas gomme pour poste. Et Edgar déjà pas position qu'il pas en harmonie avec les conseillers. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Edgar dit que Edgar passe un document majorité 6 sur 7 qui baille, qui change président tournant là et qui appuie, qui courait installation de Steve Voltaire là. Edgar montre ça clair, il dit ça. Il dit que avec question ça, li pral plonger pays dans instabilité et li pral prolonger période transitoire là. Mais m'a dit hein? Dans qui pays il a la prolonger période transitoire là. Quand on sait qu'on est situation difficile avec Ariel Henry dans prolongation. Yo te connais. D'ailleurs, yo te dit dans 19 mois capable faire ça ou capable faire ça. Qu'on a m'a quoi pour demander prolongement pour le jour pour qui ça? Ça va demander prolonger là, prolonger qui ça? Ça va demander prolonger. Ça veut dire là désir venesse. M'le que ni Edgar Leblanc fils ni responsable yo retirer question prolongement mandat à parler. Et le 7 février 2026 arrivé, pa gen ou pa bois pour yo, y a obligé bay talon yo. Y a obligé bay talon yo. Et ça fait gen obligation pour yo travail, pour yo goumen nan moment. Tabli sécurité, remettre pays à sous programme développement. Et permettre que organiser élection pour renouveler personnel politique haïtien. Sinon, si les gens agissent là, si les gens y a posé action là, ça vraiment triste et ça vraiment fait mal pour yo parce que ça nous pas capable accepter. Non, nous pas capable accepter ça et ne pas croire que n'a obligé pour ça n'en met. Et si je dis là que monsieur ou pas comprenne, vous pas gade exactement ça qui présente là, ça qui gagne la face, pour vous baider aux deux trois tapes pour sortir la donne, moi sorry pour vous, parce que peuple haïtien pral levé capé dans quoi yo. Peuple haïtien pral goumé avec yo, même Jean Wé, Ariel Henry parle encore. Nous pas 32 mois avec monsieur Sergent qui a arrêté gaspiller là. Nous clair sur ça. Merci Désir Venesse, merci avec chaque grand monde qui t'a suivi. Côté que nous t'ai apprendre, plusieurs unités spécialisées t'ai débarqué dans base Koukouat sans race. Qui ça déjà ou même comme journaliste, comme collaborateur nous, qui ont gagné comme information? Très bien, la situation, la police depuis et presque 4 jours ou 5 jours depuis au niveau département, opération yo est démarré dans la Quapéris, dans Fief Gang, Koukouat sans race qui acheté route nationale là pour l'achat d'un prochain. Eh bien, selon les sources départementales dans la police, yo fait nous connaître qu'il y a plusieurs bandits qui blessés. Barrière, Kai, deuxième chef gang, Benji et Sikoni, rivé écrasé à coup de défense, blindé MRAP, que officier kenyan yo a utilisé. On machine zoréken, bandit kon utilisé, rivé écrasé en bas coup de balle et coup de défense et blindé MRAP, que officier kenyan yo a utilisé dans quatre opérations ça. Gen yon policier qui sorti blessé dans quatre opérations ça qui sous contrôle la police qui pou kounye a al pran soin que cal nécessité selon même source officielle c'est là qui dans niveau département de la Tibonite li fait nous connaît que policier a pas trop grave et yo fait quoi y a continuer avec ensemble opération ça yo dans niveau la Quapéris côté Koukouat sans race entendre pour faire exaction sous population bandi yo te font titan dans échange avec la police après yo te désengagé quitté espace et bien la police t'a pral replier faire replier stratégique parce que c'est déplacement pour faire connaissance avec l'UEA. Et puis, le directeur départemental police dans la Tibonite, Caleb Exantus, fait croire que l'opération a continué à qualifier Bandio comme mouche à vin. Elle déclarait ces populations qui sont importantes pour lui, avec route nationale là, qui permet que Mouyou traverse, quand pour mouche à vin, il a crasé n'importe qui l'est, blesse personne. Elle fait croire que le département de la Tibonite trop belle ou Bandi a fait ça ou vle, à ça ou plutôt. Tout ça, c'est dans le micro fermé. Que directeur départemental là partage avec ensemble pour faire la presse qui t'est débarqué qui t'a cherché information sur opération qui a mené les personnes. Ça veut dire là si m'a reprend ça ce dia des Ivenes, zami qui peut-être pas que t'attendez li c'est que dans opération que la police et a mené avec officier kenyan yo dans niveau bala Tibonite, jeudi 18 octobre là, bien bonne dans matin, et bien la police rivé rentrer dans fief Koukouat sans race, si me dit comme ça, dans la Croix Péris.
et gain plusieurs bandits qui blessés, yo pas ti bandi moi mais plusieurs bandits blessés, peut-être nous pas connait puis devant si pas pour va mourir dans route là, mais il dit yo parler tout pour dire que un policier qui blessé légèrement et yo crasé barrière rentré caille deuxième chef gang quoi ça qui est les meilleurs et n'a petit tout des Benji, c'est deuxième ah, Benji, pardon. Benji, OK, mais n'a prendre tout des et ta gain dans chablende qui t'a prendre en piège tout. Oui, gagne une blende MRAP qui était prend en piège et bien la police avec officier kenyan yo t'est arrangé pour te faire toute stratégie, t'est désengagé blende ça et li sorti sain et sauf, li pa gen rien, mais quand ta pour bandi yo, yo perdi aux machines zoréken que yo kon fait kidnapping, yo kon utiliser que la police détruit. Est-ce que on ka dit des Ivenes que nan moment ça dans la journée après-midi mardi qui était 8 octobre là, après intervention alors opération force de l'audio, est-ce que nan fief bandi kokwa de ratio, est-ce que nego toujours nan fief ou bien nego prend rage pour yo? Bandi yo prend la fuite et information après quelques heures que la police a abandonné sa sang. Yo déjà retourné encore parce que bandi yo tourné pour yo faire vidéo, pour yo montrer barrière kayo qui crasé, surtout dans voix meilleur qui c'est chef gang là, pour dire que yo pas fait poids, yo pas arrêté, mais la kayli sauf que barrière et bandi a été tout ouvert, yo rentré dans la cour et yo possède pour yo pour te bouer avec blendea, mais et ça qui gagne comme Angel Loua, il pas ca rentrer parce qu'il pas blendé, il fait quoi que nèg yo te manger guerre pour te tirer coup de balle, la fait apologie pour dire que policiers qui veut blesser en pile en bas coup de balle dans espace simaliste, c'est ça que meilleur déclare. Soit ça, c'est stratégie pour faire peur. Exactement. Et faire quoi? Et vous commencez à avoir confiance et continuer à avancer dans le cadre d'opération. Exactement. Non, et bon, mais je viens de dire ça. Bon, me courir. Si vous avez vous mais vous pas obligé de courir qui débarque. Bon, les chats débarquer, vous venez de courir, courir. Parce que si vous avez vous avec moi, désir, et maintenant, en cas de vous bah là c'est vous désir. Si que moi me kagoumé avant en campé goumé, en goumé souterrain, d'ailleurs côté il y a pas qui pour pas qui monde et qui capable victime, eh ben en goumé. C'est pas les policiers finalés puis a vinn chanter kata moi je suis metté, je suis ramassé, alors que connaît clairement que tout parler à parler à c'est les policiers bala et tout parler à parler à tout, il y a pas qu'à camper goumé avec force de l'audio. Je dis en plus mon a dit clairement que la police et l'armée d'Haïti officier kenyan yo qui présent dans moment nan Balatibonite que yo continue progresser avec opération mené yo. Alors on dit opération ça qui a mené hein, c'est dans une partie dans Balatibonite parce que c'est dans commune Lester il fait partie arrondissement des Gonaïves Blessitesson. Et ça veut dire que là c'est dans Balatibonite. Ça veut dire là on dit que là yo poko toucher Balatibonite là qui gagne base bandi grand griffe, je sais pas comprendre comme ça. Balatibonite c'est base gangriffe avec allié qui a gagné et qui c'est on l'autre gang qui dans l'autre localité qui relait Palmis qui gagne Jonas Israël qui dirige. Ça veut dire dans Balatibonite il y a deux principales gangs qui a pas problème là-dedans mais au fusionné font seul. OK. Mais ça veut dire là, ça veut dire la désir quand même et la police a commencé. Mais je dis le département de la police Latibonite et Caleb Exatus monsieur ba garanti que il a déniché des monsieur groupe bandit qui vient dans Latibonite. Ces déclarations, directeur départemental, c'est pour ça qu'elle demandait, avec ensemble monde qui dans différents secteurs, pour collaborer, permettre qu'il y ait des informations qui permettent qu'il délibérer le département de la Tibonite. Elle fait quoi? Ensemble, équipement qu'il a, il y a là pour longtemps. C'est une seule unité de la police, elle fait quoi qu'il va gagner avec elle? Celle-ci, moi, pour qu'on rejoigne tout blanc. Après ça, toute unité qu'elle connaît, unité d'élite qui est de la police, il y a présent avec le département de la Tibonite. Mais là, avec officier kenyan qui gagne base, yo, dans ce sous-commissariat Pachoual là, dans le fond. Oh, ça veut dire, monsieur Kenyan, que tu as mis base dans le sous-commissariat Pachoual là? Oui, il y a un basement sous commissariat Pachoual et directeur départemental a fait quoi? A dit une cinquantaine qui doit venir directement et dans la direction départementale, dans la ville Gonaïve, c'est base qui a préparé pour eux. OK. Ça veut dire que, et Kenya pral présent même avec de leurs policiers. Et ça fait que PM Gaïkoni, il rentre dans le pays et Kenya, et pour que l'a demandé avec un président Kenya Williams Ruto, pour capable augmenter effectif, ou bien vous reste officier pour eux. Et Kounia Desi, ça a une information que nous allons garder dans l'émission. Bon, je veux dire, nous devons continuer à arrêter sur ça qui concerne déportation massive qu'a faite en République dominicaine des personnes. Qui pratiquement va gros qu'elle saute. Parce que pendant toute journée, on a regardé l'image, on a regardé ce qui a passé dans ce domaine, il va nous gros qu'elle casser nous-mêmes. Nous ne pas vivre en République dominicaine. Nous ne pas de chance de passer en République dominicaine même une fois. Mais pour ça, on a regardé à des personnes, on a posé une question, est-ce que Kamala dit qu'elle mène en République dominicaine? Autorité des autres responsabilités. Autorité haïtienne a besoin de responsabilité ou de situation. On sait pas qu'elle arrive à un niveau qui critique en pile et elle difficile en pile. Faut gagner des marchés pressés qui fait, bon côté autorité ou sauver situation. Jeudi 8 octobre 2024,
actuel président conseil présidentiel de transition, li fait quoi qu'elle te présidé une réunion stratégique avec le premier ministre AIA, ministre défense là, ministre affaires sociales, ak santé publique, ensemble avec représentant PNH, ONI et yo te discuté sur question sécurité pays ak mezi ke yo capable pran pour accueillir ak dignité compatriotes yo k'ap soti en République dominicaine côté autorité yo mette yo dehors la kayo selon les Voltaire. C'est droit nous pour mettre de côté toute division et puis pour nous travailler ensemble pour rétablir grande nation et en suivre trace ancêtre yo selon et chinois les Voltaire les présidents. Est-ce qu'on continuer les monsieur chinois parce qu'on y a les présidents non, président mais président mais coordonnateur et on a pas une balle. Puis quand on danse avec monsieur mais si on continue après les chinois ah oui c'est tout famille Lavalas. Bon famille Lavalas pour qu'on y a des personnes yo au pouvoir yo content en pile ou après que militaire Lavalas pour qu'on y a yo gagné terrain il a fait en pile et propagande parce que yo estimé qu'il aurait tourné américaine Blaise Peterson. Bat bravo et félicité Leslie Voltaire qui prend tête conseil présidentiel transition et au pari pour continuer bataille à clé qui permet que porter changement à travers la République. Ambassade États-Unis d'Amérique en Haïti célébrer qu'il dit haïtien à clan créole pendant tout mois là pour capable démarrer avec célébration. Yo essaie donc regarder et ça qui gagne pour avec chargé d'affaires dans discuter entre eux ou équipe bon manière qui au cap collaborer dans le pays d'Haïti dans situation qui difficile en pile que vous trouvez là et il a arrangé presque chaque jour qui cap permettre que joindre des bonnes stratégies qui cap plus utile la République Blaise Peterson parce que situation paraît extrêmement difficile. Dossier qui concernait question déportation massive migrants haïtiens yo en République dominicaine eh bien li pratiquement pral garder examiner pendant journée si là. Et nous voulons parler dans la journée AIA Blaise Peterson, dans 3 heures, OEA te discuter sur lui. Pour te garder question et pour bailler une réponse rapide avec République Dominicaine, avec déportation ça qui a fait, qui peut en pile qui cassé, qui montrait que République Dominicaine pas respecté ensemble des conventions, pas respecté ensemble traités qui ont gagné ensemble, et surtout des pays qui partageaient même, presque même terre, qui sont même l'île Blaise Peterson. Et l'autre s'en a dit que les Ivénès qui est un gouvernement à travers PMAI, qui c'est Carlos Hercule, lui-même de l'organisation sens du travail, côté mette campé, il y a un comité multisectoriel, ça veut dire que avec différents ministères, conditions femmes, santé publique, affaires sociales, pour regarder comment que il est capable de venir en aide, en support avec des rapatriés. Nous, haïtiens, que l'État dominicain a déporté malement. Et pour nous dire que des Ivénès, ça, c'est déjà une très bonne décision que l'État haïtien prend pour être capable de garder comment il est capable de recevoir, accueillir haïtiens que l'État dominicain a déporté dans mauvaises conditions. Et je dis, en pile, monde comprend que, et la façon que l'État dominicain a déporté haïtiens, nous, et il n'a pas fait vraiment, il n'a pas respecté ça, les conventions, ou dis-moi que, et ensemble de traités haïtiens avec ces domaines, non, ça qui est pour avec question, et déportation, ou dis-moi, rapatriement, ou bien respect droit moun, et désir venesse. Et ça, c'est une situation qui vraiment pas être très critique et très chaotique, la façon que l'État dominicain a déporté haïtiens, frères et sœurs. Et je dis, en pile haïtien si apparaît côté au prague pour lancer ça les opérations fermer frontières et si l'État dominicain pas décidé et faire back dans façon que l'a déporté haïtien yo yo pral lancer opération fermer frontières des Ivénès qui donc je dis là les que nessé comprendre les que nessé analyser et dans façon que l'État dominicain à travers Luis Abinader a fait méchanceté dans j'ai déporté haïtien yo mais je dis que l'État haïtien ou dis moi est-ce que le peuple haïtien yo réagi et yo prend des décisions pour que yo bay réponse avec l'État dominicain. Nous va venir dans les conseils des Ivénès avec intervention ambassadeur Haïti dans OEA qui c'est Ganzi Thomas et Guy Philippe tout et Guy avocat Guy Philippe tout qui s'est met et Lucien Jean-Joseph, yo tout parlé pour vraiment réagir par rapport avec comportement l'État dominicain que je dis là contre haïtien des Ivénès. Mais avant de venir avec tout ça yo, bam laisser que ou détailler vraiment ça qui a passé dans la Tibonite dans les Ivénès. Très bien, Blaise Peterson. Et depuis lors, massacre fin fait dans Poissonde, et 3 octobre passé, et divers membres de la population étaient tout le temps appelés Vévoyo. De fait, tu as gagné un groupe citoyen qui t'a massé devant le commissariat qui logeait direction départementale,
pour t'en questionner et avec le directeur départemental, qui ça a décidé de faire? Qui va mener l'opération? Parce que Moun Latibonite pas capable encore, selon M. Jobed et M. Fitzmaier. Ça qui t'a permettre, pendant journée mardi, eh bien, directeur départemental là, avec équipe policière qu'il y avait dans diverses unités d'élite ou de combat, et avec officier kenyan, ont décidé de faire un coup de tête dans la direction de l'Aquapéris, côté Gang Kokoratsanras établi depuis plusieurs années. Mais M. Sayo empêche Moun de fréquenter la route nationale numéro 1. Eh bien, dans le cadre d'opération, si là, dans le démarrage que la police fait dans le niveau département, eh bien, il y a plusieurs bandits qui sont blessés, selon les dires, les autorités de la police dans le niveau département de l'Antibonite. Il y a une machine zoréquin, bandits ont été utilisés pour faire kidnapping et pour faire toute autre activité qui arrivait détruit par la police et force multinationale qui vient Kenya qui débarquait dans le département de l'Antibonite. Barrière, l'entrée caille. Numéro 2, Gang Kokoratsanras, Frère Meyer, Benji, eh bien, barrière ça, décapitonné, crasé avec coup de défense, blindé M. Rapio. Et dans l'espace là, si moun qui peut-être voit vidéo ça, il y a un espace à la piscine là, donne tellement de gens confortable, tellement à l'aise, gros piscine là, belle caillou en couture, et belle barrière en Louis Vuitton, eh bien, la police est arrivée dans l'espace là. Mais Blaise, n'est-ce pas tant en pile piège? C'est chargé. Ces affaires, yon n'a blindé M. Rapio. Qui t'a suivi, yon blende noir, qui avec policier, que policier haïtien a piloté, malheureusement, a tombé, et dans tout, blende M. Rapio a tombé dans tout, donc fait un vieux coup de volant, et qui te permet au moins, que te prenne plus de temps, d'en faire échange, pour te désengager, pour yon pas perdre blende ya. Parce que bandit, pour courir à l'attention, toute résistance, la blende a fin tombé dans tout, yon te déjà préparé, yon te vu mettre du feu sous blende ça. Eh bien, yon pas de chance réussi, avec plan, la police désengagée, et on a continué avec l'opération jusqu'à ce qu'ils ont blessé plusieurs bandits. Et il faut que nous faire appel à ça. Il y a un policier qui arrivait touché par balle, légèrement, qui a pris soin qu'il y a nécessité dans le niveau de l'hôpital à travers le département. Et parce que la police dit non, il n'y a pas de camper. Opération après la poursuite de blessure. Ça veut dire là, il y a autant de plusieurs pièges pour les policiers à travers Blendeo. Et malheureusement, on a blindé qu'à prendre un piège. Mais n'était-ce pas l'autre blindé qui est là? Je dis là, la police doit vraiment être des victimes dans le camp. Surtout c'est officier kenyan. C'était un blindé terrain officier kenyan là-dedans. OK, OK. Et puis, selon le directeur départemental, là, ça a ajouté, monsieur kenyan est très utile dans le cadre d'opération. Mais puis, gros barrière qui gagne, c'est barrière linguistique entre policiers haïtiens et yo, mais yo dégage quand même pour faire ça, yo capable, plein de personnes. Quant à pour Balatibonite, et ça qui concerne les grands griffes, dans sa vie, eh bien, continuer à monter pression sur des mouns, soit qui dans chandelle, ou bien des mouns qui dans miro, des mouns qui dans plasac, les gens qui dans l'Abadi, dans la troisième section communale Tirivière-la-Tibonite, qui permettent que Kazek, troisième section Tirivière-la-Tibonite, Joseph Normil, alias Koukoun, lève voile pour demander autorité dans la police pour lever pied au plus rapide, qui permettent au moins qu'ils prennent contrôle de la situation. Nous avons une chance de parler avec le directeur départemental, la questionner qui est la police a arrangé sur Tirivière-la-Tibonite, parce que la situation est difficile, et même Lianco, Lidine, Retetan, pas trop loin, la police a gagné pour prendre contrôle ensemble, c'est pas ça, ou la situation. Bon, moi-même, moi, c'est étendre et comprendre ce qu'il y a des Sivénès, parce que, pas oublié, ou même comme journaliste qui est à le bousquer, à chercher information, côté que c'est pas on voit autorisé qui va tout détail ça, yo, mais qui pas oublié qu'il voit enregistrer et qui montre que la police présente, alors, force de l'audio, la police et officier kenyan, yo, n'est que je présent, mieux t'es présent, matin 18 octobre, dans la base Kokoatsanras. Et c'est vrai que Gomblende qui te prend en piège, mais n'était-ce pas présence l'autre et anti-force de l'audio? Je dis en la bagarre de 4 qui est difficile pour officier kenyan. Et en même temps, tout, que, et en pile mandi pour un coup de balle, et peut-être ça qui prend le mou et prend la suite, ou dis-moi est-ce que ça qui prend le marcon et ça qui prend le veyo, mais bandi yo en pile piège. Et ça, encore, montrer, Jean que en pile moun abdil. Je dis, avec question véhicule blindé, ça yo, mes amis, la mette la police, la mette force de l'audio, dans des situations très difficiles pour mener opération. Mle ça clair pour nous. Avec question véhicule blindé, ça yo, mes amis, la fait force de l'audio, victime. Et les que on blende prend dans un piège, est-ce que nous imaginons
qui volume et stratégie qui obligé déployer pour être capable sauver policiers ou dis-moi que agents qui n'a blindé ça yo. Et ça fait tout autant que pas de matériel sophistiqué, tout autant que pas de hélicoptère de guerre, tout autant que pas de drone sophistiqué, tout autant que pas de chat d'assaut. Et pas véhicule, ça c'est véhicule, c'est machine blindé, oui. Yo pas chat blindé. Nous osez, bon, moi a dit nous osez le chat blindé, mais yo pas chat blindé. Yo c'est de véhicule blindé. Les que n'a parlé de chat blindé, c'est chat avec hen, chat d'assaut. Cap ka lancé des séries de gros coups de mortier, de gros coups de canon sous bandi yo. Est-ce que vous m'avez dit là? Là, nous n'avons que son véhicule blindé. Mais, les n'avons que de bon chat blindé, avec deux chaînes, avec des jolies mélangées. Les n'avons qu'à lancer des gros coups de canon, piou, dans des bandits, les ça n'avons chat blindé. Et ça fait, dans ensemble matériel que PM n'a pas fait, comme on a demandé là, faut demander avec pays ça, au moins, ba nous sexy chat d'assaut. Pendant qu'il y a ba nous machine blindé, yo, mais qui a ban nous tout un sexy chat d'assaut cap aider nous cap utile cap permettre que eh bien opération pi bien menée et en même temps tout ban nous des hélicoptères de guerre ban nous des drones sophistiqués qui a capable localiser bandi yo en l'air parce que les que drone yo hélicoptère en l'air eh bien regardez nous prenons en l'air nous prenons à terre pas que pas bois non pas que pas bois. Et moi connais que de matériel sophistiqué que si yo bay la police là yo bay la armée d'Haïti yo bay mission moi je crois même souvle même la nuit y a capable mener opération gien de matériel sophistiqué là si yo bay li avec force de l'audio même la nuit y a capable au côté y a capable mener opération plus bien que la journée parce que matériel ça yo a permettre que yo identifier par voie aérienne en l'air bandi yo pi bien parce que pas oublier bandi yo nèg yo kon zone yo nèg yo kon corridor yo nèg yo kon rage yo nèg yo kon en l'air tête mon yo ça veut dire les policiers au courir derrière yo yo pral cacher dans rage yo pral cacher dans tête mon yo pral cacher dans caille les ça qui pral exposer la vie policier yo. Eh bien, depuis que matériel en l'air, drone ou hélicoptère, l'a capable de dominer les yo. Il est ça, ben, il est capable de jouer mon épiation. Et tout autant que, selon un pile expert, yo dit, tout autant, pourquoi gessanrele de matériel sophistiqué, de drone, hélicoptère, pour mener opération aérienne, yo. Pourquoi de bateau, pour mener opération maritime, yo. Eh bien, résoudre l'insécurité, hein, la prend en pile temps. Et je crois que l'autorité, yo doit accentuer sur ça. Yo doit mettre accent sur ça. Parce que ce n'est pas peu de faire 20 et 30, 15, 40, 10, 50 véhicules blindés rentrés. Oui, utile, oui, important. Mais nous avons besoin vraiment de matériel qui est capable de répondre avec ça là comme situation. Nous avons besoin de bon genre matériel, encore après deal. Matériel qui est capable de répondre avec ça là comme situation. Parce que à chaque situation qu'on fait face, li mande pour adopter un comportement. Ça veut dire, j'en que l'insécurité est là, li besoin pour que la police nan gen de matériel qui répond, qui adéquat avec modèle opération que la mené yo. Mais tout autant c'est des véhicules blindés ça nous gagne, eh bien, résoudre l'insécurité la prend nous des temps. Et je crois que autorité yo, doué comprendre ça et doué garder dimension ça des Ivenes. Très bien, la situation. Et en pile et spécialiste dans la question ça, et essayer de garder plusieurs fois, parce que garder véhicule ça, comme véhicule de transportation, des troupes qui captent en troupe, de un point pour aller mettre dans l'autre point, mais malheureusement, et suite avec la situation que le pays a trouvé, nous utiliser ou qu'on fait autant pour se déblender des combats qui captent attaquer gang dans fief. En pile fois, opération ou bien fiasco qui fait là-dedans, c'est parce que ensemble équipement yo pas respecté les normes des personnes. Tant que j'en saute garder vie aérienne dans ensemble opération li est super important. Li important pile,
Le premier ministre a parlé d'hélicoptère qui t'a venu. En plus, le monde t'a pensé que c'était un hélicoptère de combat qui t'a permettre au moins qu'il essaie donc de garder pour une opération t'a mené. Mais le contraire, ça m'a regardé. Hélicoptère qui vient là, c'est hélicoptère de flanc, hélicoptère de promenade que le premier ministre a gagné, soit pour le déplacer dans une zone pour aller dans l'autre zone avec membres du gouvernement. Yeah. Je veux dire, la police, pratiquement, besoin d'équipement parle. Pendant que sortir, est-ce que dans des machines, il pourra décrocher des matériels volants? Qui pral gen drone, qui pral gen hélicoptère, qui ka permettre que la police au moins plus efficace dans opération. Parce que, ensemble, ça qui gen la opération, il n'y a pas pratiquement opération qui ka dire de 3 mois depuis des matériels. Il besoin de volonté, bon côté ensemble policiers, dans diverses unités qui ont sorti, dans diverses unités qui ont trouvé. À partir de ça, ça qui nous souhaite venir, qui c'est sécurité. Craser gang yo pour permettre ensemble activité yo. L'autre secteur capable bouger la fête avec facilité les personnes et amis internautes kounya en laisser d'autres regarder question volonté est-ce que volonté au match est-ce que volonté au rete kembe est-ce que volonté au toujours là soit bon côté la police soit bon côté et gouvernement à travers la présidence est-ce que volonté à là bon côté et comment t'a dit chef CSPN le premier ministre. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment? Est-ce que ce n'est pas des promesses qu'il y a à faire pour qu'il y ait temps passé? Parce que je ne dis pas oublier qu'il y a déjà annoncé une prolongation ou transition politique là. OK? Prolongation, tu viens l'instant, en pile fois que vous parlez de l'ingouave, mon cher, vous avez perdu en pile temps dans l'opération qui vous a mené. Ça permet que la situation paraît difficile pour vous. Bah, on a temps en plus. Est-ce que peut-être pas ici qu'il y a temps toujours face avec ça qu'on est là? Dans la situation qui est ouverte. Moi-même, si je dois répondre pour tout le peuple, je me dis que je ne suis pas capable encore. Il faut que mon bagage qui essaie de faire pour changer la situation de la situation. Et, mais, Kounade, si ça va nous garder, est-ce que, fait intervention dans la base de la sans ratio, et après ça, retourner, parce que ça va nous garder, c'est réalité, hein, oui. C'est situation présente en façon qui fait que policiers, puisque je ne que, et connaissance avec la base de la sans ratio, non, les. Pas aussi facile, mais quand même, des ça pour nous comprendre. C'est une grande première. Si force de l'audio, yo capable de river dans la base de la sans race, côté qui river craser barrière la caille, deuxième chef gang, non? Et plusieurs bandits prennent balle, ça qui peut être prêt à mourir par la suite, nous ne connaissons pas. Et ça montre que désir, gagner, si que. Gen volonté détermination et si gen matériel force de l'audio capable faire plus que ça. OK, yo ka faire plus que ça et si pour aller plus loin yo capable même des les bandits yo même m'a dit jodi a demain non m'a dit dans une semaine non mais c'est volonté qui bouge d'abord et c'est information pour que la police a gagné attend tout. Et c'est bon jean matériel pour le gagner. Parce que, imaginez, nèg yo ten en pile pièce pour policier, nèg yo coupe pont, nèg yo mette ensemble des embuscades. Ça veut dire que si force de l'audio informé de ça, ça pourra le permettre que yo évite pour yo pas prendre dans piège, dans embuscade bandi yo. Mais quand même, rivé dans fief bandi ko kwa sans ratio. Et monsieur Koury, c'est pas la suite que yo retourné et moi c'est que faut yo regarder, faut yo repenser, faut yo réanalyser mode opération force de l'audio. Mais en pile monde déjà comprend et déjà ouais. Si force de l'audio gen moyen, yo gen information, yo gen une ressource qui répond, y a capable au moins ben résultat espéré parce que bagala est clair bandi yo connaît clairement yo pa ka goumer avec la police y a pas aucun côté force fait noir goumer avec lumière pas aucun côté force fait noir goumer avec lumière comme si vous nèg pensez que yo ka venir goumer avec la police yo ka prend force de l'ordre dans piège yo ka fait assaut sans attendre sous population civile. Mais cette histoire pour les campé, il y a chanté kata moi pendant que force de l'ordre a privé sur un menti, il y a couru à marron. Mais la police regardez, repensez et stratégie que n'a pas gardé yo.
c'est déjà un signe que nous voyons bay bandi koko at sans race et qui t'a déjà voyé tout bay bandi bas grand griffio qui s'est mettre causé hein. Mais faut prendre ça très au sérieux, très très au sérieux, parce que je dis hein, situation très très compliquée. Il est vraiment compliqué des événements que nous allons regarder. Kounya la, dossier ICC Domingo pendant qu'il revient avec des déclarations. Blaise, citoyen haïtien qui est en République Dominicaine, c'était bagay qui te prévoit ça qui a passé. Investiture, Luis Abinadel te dit nous que situation est difficile parce que c'est veille qui a dit est-ce que l'enterrement est bon. Exactement. Il a invité pour nous participer dans l'investiture. Par rapport avec sanctions que vous gagnez qui a pesé sous donne avion pas qu'à rentrer sorti Haïti à la République Dominicaine côté et soit passager qui a décidé pour aller quand même et en République Dominicaine à travers avion, mais on a créé couloir diplomatique pour te permettre que tu recevoir autorité haïtienne. Exact. Ministre Affaires étrangères pays a te dit qu'il n'y a pas question créer couloir humanitaire si peuple a pas gagné possibilité pour entrer en République Dominicaine, même si vous même une possibilité, vous pas bralé. Nous te clair pour nous te dire, Blaise, après décision ça, Luis Abinadel pourra prendre des décisions qui sont sévères contre les Haïtiens qui se trouvent en République Dominicaine. Li pas prend trop de temps pour l'agir. C'est 10 000 Haïtiens qui prévoit déporter chaque semaine. Est-ce que ça pas bah une idée sur la quantité Haïtiens qui vivent sur terre? Oui, si ça va on y dit. Je dis on va pour tout ensemble autorité yo a dit je suis jeté, je suis embassé, c'est yo tout a parlé. Mais est-ce que yo t'est arrangé yo pour yo t'est prévoir que ça va arriver parce que on connaît peuple dominicain son peuple qui rentre dans initiative presque chaque jour n'en fait vengeance sous quel que soit sujet, sous quel que soit ça, t'a cap gagner surtout avec haïtien. Est-ce que pas arriver comprendre ça? C'est jodi hein. Après situation vient compliquée pour haïtien yo ou tande que autorité haïtienne nous dit ou y a arrangé pour préparer abri pour préparer moyen pour recevoir haïtien yo qui a sorti en République Dominicaine pour rentrer la caillou en Haïti. En plus là mon ça a rentrer sans pas gain document d'identification, il pas gain pièce passeport que ou te gain était dans caillou pas gain ta prendre carte d'identité que ou te gain pas gain ta prendre et toutes l'autre données, toutes l'autre pièces que ou ta cap gagner qui ta cap identifier yo pas gain dans même. Vin trouver que ou une situation très difficile côté la police en mode d'opération contre les gangs compatriotes ça qui dehors depuis un bon bout de temps. Est-ce que yo pas sujet à victime dans rentrer dans pays en garder espace de résistance côté qui gen monde qui mette brigade yo? Est-ce que moun sa yo l'état on l'autre fois pas carrément que aux victimes si pas des mesures qui prend depuis à la base surtout dans frontière côté a venir pour rapatrier moun sa yo pour conduire yo et dans des conditions qui cap empêcher que aux victimes ni en bas mais la police ni en bas mais population civile là cap raisonner par rapport avec bandi qui a échappé parce que opération a fait dans Port-au-Prince, opération comme dans département la Tibonite en pile là qui dans gang cap envie sauver la quelque autorité au besoin bien coordonner question ça blesse personne pour empêcher que citoyen cap courir qui était République Dominicaine pour situation difficile parmi les victimes la caillou blesse personne. Désir qu'on a envie avec des séries de réactions tant qu'on va venir avec Guichili. Monsieur qui dit mon parle situation sur situation haïtienne dans ces domaines yo et en même temps tout gars avocat mais Lucien Joseph qui parlait mais avant tout on en venait avec Guy Philippe qui a parlé sur dossier ça des Ivenes. Mm-hmm. Maman et Simon petit de l'école. Qui est-ce que tu as dit ça? Comme ça c'est pas le devis. Monde qui sorti de travail qui était payé madame ou bien mari dans caille, petit dans caille, immigration pour ces domaines y aller. Et là qui fait la rata comme plaisanterie. Sous toute vidéo, sous toute bagaille, là qui a fait la chasse à l'homme. Et bien, ici, à courir, haïtien tout partout, à voler tête. Mais je pense que c'est la blague. Je pense que les haïtiens, qui ont besoin de vivre, les bagages, il faut qu'ils indignent. Et comme ils indignent, il faut qu'ils prennent décision pour voir qui vient pour le faire payer, vivre un plus bon moment. Pas une trop difficile, il faut que nous changions. Et pour changer, il faut que c'est nous tous qui mettons là-dedans. Ça va passer ces domaines, c'est une gamme pour sonder. Des nègres, des bandits, ils prennent amis, ils tuent plus que 70 personnes dans la localité, dans petit côté. 70 personnes contre l'État. Pendant ce temps, on a dit, Negno, c'est parti, c'est voyager, c'est bagaille. Côté ministère des Affaires étrangères, quand le président Edgar Leblanc a parlé de Dessalines dernièrement, moi, je pense que c'est un rôle président Edgar Leblanc,
qui se parle, j'en ai parlé dans l'ONU, soi-disant, mais Haïti parlait de Dessalines, de l'histoire, nous. Même là, même dans la invité Blavine dans le pays. Mais au moins, il a fait un ministre des Affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne non grata et balle 48 heures de politique des médias. Exactement. Wow. C'est pas normal pour faire ici passer ça faire passer la République dominicaine. Maman qui était sur l'école, yo prend maman. Il y a le travail, yo prend yo. Yo quitte toute famille, yo. Tout ça était bien, tout si bien yo. C'est pas normal pour traiter ton peuple comme ça et puis nous-mêmes comme dirigeants nous avons regardé. Ouais. Donc c'est deux voix. On dame yo déporté là, yo déporté on dame là à un petit bébé 3 mois. Un petit bébé 3 mois. Dame là, flé la famille. J'ai la gueule dans mon monde pour l'aller. Son bail qui est extrêmement et grave, on pense que c'est parce que l'État nous absent et qui cause situation ça il va présenter dans la communauté haïtienne République dominicaine. C'est n'importe quoi de sérieux. Il y a humilié comme ça. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur de pays ça qui l'a caillé. On va convoquer, on va mettre en garde et si on va rectifier ça à faire, on mettre au dehors, on déclare une personne en garde, on mettre le dehors. Ouais, parce... Dominique, il y a plus pour le Belgique. Dominique, il y a plus pour le Belgique. Oui, non, on lutte avec Haïti. L'économie va dépendre de nous. Ni dans la construction, ni dans la bagaille importée pour nous consommer la bagaille. Et toi, quand ça importe dans la République dominicaine, nous avons produit en Haïti. Oui. C'est parce que le gouvernement n'a pas de volonté politique pour faire Haïti jouer une autosuffisance alimentaire que nous avons besoin, que nous avons cherché, que nous devons gagner. Donc, bagaille, ça va être donc nous avons dit que le 17 octobre, là, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement peuple haïtien pour lier. C'est nous tous qui pouvons encourager nous sortir. Si tout le monde est de la caillou, il y a plein de belles merveilles, il y a plein de bruits gardés, on n'est pas fait. Mais si nous tous prenons la vie, nous pas les changements, nous forçons les changements, changements fait. Ouais, la fête. Mais il faut que c'est haïtien qui accepte la responsabilité. C'est pas chita, parler, vous TikTok, vous bagaille, et faire belle commentaire, dire, mais maintenant, pays a la bouche. Mm-hmm. Je dis à pays, il y a besoin de sacrifice petit. Je ne sais pas si Haïti est mauvais maman. Ça, ou bien son maman qui a mauvais vote. Et sénateur, c'est un point. Nous avons pour nous débattre après-midi via les relations. Nous connaissons, nous sommes monde qui développe de très bonnes relations avec la République dominicaine. Bien que ou beaucoup, et c'est pas même cap dirigé qu'on y a, pas de grandes choses ou capable de faire dans ça. Donc, est-ce que, selon même l'État, pas capable de remettre chercher une solution et à la situation ça. C'est-à-dire pour joindre une possibilité pour Haïtiens qui en République dominicaine joindre une possibilité pour rester légalement sur le territoire. Est-ce que deux gouvernements n'ont pas qu'à mettre tête ensemble pour chercher un plan comme ça? Maman, moi, toujours pensé que nous devons être sous il faut que nous attendons. Nous avons une grosse force économique qui est égale à nous tous. Mais il faut qu'il fasse dans le respect. Il y a un affront qui fait aujourd'hui à la peuple haïtien. Ça qu'a fait là, son affront. Quand ici on commence à traiter, on commence à courir derrière, et puis à dans toute bagarre, ils sont affrontés. Moi, c'est que faut que l'État haïtien prenne responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères a supposé convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Supposé et obligé. Et ensuite, pour nous, les gens disent là, comment nous avons rectifié ça? Comment nous avons corrigé et ça, par exemple, par les faits encore? Nous connaissons un peu les jeunes garçons, les jeunes femmes, qui ont étudié là-bas. Et malheureusement, beaucoup de capacité. Signal à Haïti pour le signal. Donc, nous vivons que nous n'avons pas de capacité pour nous-mêmes, nous qui avons recevoir étudier. Avec l'argent coopératif, je vois tout ce qui est et classe moyenne, tout ce qui est nous, je prends, je vole et je ne peux pas dire rien. Regardez ce qui est passé avec le gouvernement privé, le gouvernement atelier, le gouvernement privé, vole tout. C'est comme ça. Ça va faire mal. Je ne peux pas plaider jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Mais je vais vous montrer qui ça va faire comme ça. Moi, toujours dis là, il y a un problème, il y a un problème de sécurité. Mais c'est un problème qui a résolu dans 90. N'importe qui, genre, en état sérieux, de volonté politique, avec force pénienne, là, force nationale, police, l'armée, des SAP, nous avons crasé le phénomène d'insécurité dans 90 jours. Si bon gouvernement sérieux de volonté politique pour faire, mais il va faire, il n'y a pas de faire. Instabilité à bon bout, monsieur. Mais c'est pire, il y a besoin de pays Haïti, sous sol, oui. Tout le monde va faire pour nous déplacer. Il n'y a pas de quitter mon retourner encore, non? Parce que ça, quand on bat assez, il y a besoin de voler. Nous avons besoin de faire une constitution sur mesure de faire après et nous avons fini occuper Haïti. Après la première occupation, nous avons fait une constitution sous M. de Météo. Nous avons besoin de faire une constitution pour l'égalité dans le pillage que je veux faire sur Haïti. Et peut-être tout le matin, c'est pire que le pillage sur son nom. C'est ça, nous avons besoin de changer la constitution du pays. Désir, ça c'est exactement Guy Philippe. Mais ça ne va oublier tout. Comment on a dit ce que M. Guy Philippe dit? Guy Philippe parlait. Tant qu'il y a un soldat. Guy Philippe parlait tant qu'il y a un militaire en fonction de la situation. C'est avancer avec un bagage qui est important là. Il y a un point super important. Côté l'imandé pour décréter personnellement grata
ambassadeur République Dominicaine en Haïti. Est-ce que l'autorité que nous avons là a bien couillé? Est-ce que l'autorité que nous avons là a bien capacité, a bien courage de faire un travail comme ça? À mon avis, pas quoi? Pas quoi capable? Parce que en pile dans yo souché en République Dominicaine, en pile dans yo Luis Abinader, ses boss, ses patrons, ça permet que yo pas capable. Yo va prendre une décision ça. Bataille là c'est pour peuple haïtien. Que peuple haïtien fait bataille là dans niveau toute stratégique qui permet que République Dominicaine lui retracter et peuple haïtien prendre ça qui le fait. Qui cap faire retracter Blaise Pierson. Moi-même, ouais depuis les que Luis Abinader t'a annoncé que chaque semaine il va rapatrier 10 000 haïtiens. Ministre Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuy l'été trouvé qui est convoqué ambassadeur et sédemain en Haïti. Bien avant de commencer avec Baïsa. Et pour montrer avec Luis Abinader, et s'il accepte faire ça, mais ça diplomatiquement comme réponse, que l'État ici à Bali, et maintenant qui niveau que dossier à privé, elle dit pour te même déjà voué un pinga, on s'y a à Luis Abinader, pour que même commencer vague déportation que l'a fait là. Et je dis, hein, il a déjà commencé. Yo t'a déjà déporté plus que 5000 haïtiens en 3 octobre arrivé 6 octobre et yo continue à déporter haïtiens donc jodi a besoin que l'état haïtien les même arrange pour permettre que yo gère situation ça et li important pour yo gérer et li clair que yo pas qu'à quitter pays à tomber dans niveau ça des Ivenes. En on vient avec maître Lucien Jean-Joseph qui lui même c'est avocat Guy Philippe que nous connaît mais tout lui même qui gagne mot parle mot du droit parle que l'a dit dans question déportation et haïtien et que l'état dominicain que Luis Abinader lui même a fait de façon violation. Pour nous déporter ces domaines pour information pour la vérité et pour Christ. Ah, t'allais, bah, m'tourne avec ça, désir. Bah, m'tourne avec ça. Catégorie moun yo déporté, c'est. On dit que, ou pas bay haïtien visa, ou pas gen droit gen ambassade en Haïti. Si on dit ou pas bay haïtien visa, ou pas gen droit gen consulat en Haïti. Sur ce, nous prenons demander pour gouvernement noir couper tout pont avec la République Dominicaine. Et nous lançons un message. Tout haïtien qui est en République Dominicaine, entrez la caille nous. Commencez à faire grève. Pas le travail, parce que la République Dominicaine dépend de Haïtiens. Tout travail sale, c'est Haïtiens qui acceptent de faire. Peuple Dominicain, son peuple qui m'embauche. Mais Haïtiens acceptent de travailler avec dignité. N'a demandé, et ONM, n'a demandé, OIM, préparer des équipements pour nous recevoir Haïtiens. Parce que c'est la caille qui a tourné. C'est la carrière qui a tourné nous-mêmes, faut que nous prêts pour nous recevoir. Et là, on a tout le monde qui a des moyens, qui dans la diaspora, qui tout dans le local, qui tout dans le gouvernement, suspend Goumé pour pouvoir en nous faire une trêve pour nous recevoir Haïtien Sayo, que Dominique a tourné la carrière. Est-ce que c'est pas celle-ci, Dominique, qui a fait? Bahamas a fait là. Jamaïque. Très bien, on a un pile Haïtien qui a déboîté là. Au lieu que la Goumé pour nous chercher pouvoir, pour nous chercher ministère, pour nous prendre des fonds, que va nous dire ce que va nous dire. Nous faisons un recul. Si monsieur Axamio, monsieur observe un trêve, permet la population de faire une activité pour au moins ça qui vient sous nous pour nous anticiper. Et maintenant, c'est un autre message qui est important, qui est extrêmement important. Et je souhaite nous prendre faire TikTok avec elle. Moun qui a déporté, pas oublier que vous prenez tout document, c'est de moun qui a venu sans document. Et il y a qui sont victimes déjà de l'opération Bois Calé. Je demande des magistrats Mibaler. Je demande des magistrats Belader. Moun qui nan équipe pour préparer Bois Calé au niveau plateau central. Monsieur, je demande nous me lever. Pour qui ça? Parce que quand pile nan haïtien frère nous seul nous y a déporté là, yo pa gen document, yo prend document yo jeté yo. Et je demande directeur départemental à travers 10 départements yo pour au moins moun sa yo pour nous bailler une autorisation temporaire pour yo fonctionner dans pays. C'est le seul moyen pour nous sauver. Parce que je dis là, le fait que des grands pile qui ont évadé la prison, ils n'ont pas de documents. Mais là, ils sont sortis en République Dominicaine, il y a des questions qu'ils ont posées, ou ont senti. C'est les gens qui ont déporté. D'ailleurs, ils ont déporté très mal. Des gens qui ont déporté avec sandales, des gens qui viennent pied à terre, des gens qui viennent avec bout de pantalon. Monsieur, c'est un bagage qui est grave, monsieur. Au nom de la famille. Lui Sabina est un monde qui va de famille. Pour mon dame, ma dame, dame qui a crié, monsieur. Il y a 3 petits l'école. Ils ont pris des potes qui détiennent. Sous qui est-ce? Ça, c'est crime contre l'humanité. Même si nous avons un mandat international derrière Poutine pour nous dire
ukrainien. C'est même genre, l'être au point, parent ou déporté ou quitter Timouna, c'est crime lié. C'est ça qui fait que je m'appelle avocat à travers 18 juridictions. Pas besoin de tenir ces bâtonniers pour nous l'ordre. Nous avons un pays pour nous sauver. Avocat qui nous zone frontalière, comment se soulever, comment se faire des sittings. Faut que nous, la République dominicaine, nous réponse. On nous met des conflits internes de côté parce qu'il y a un pays à sauver. Merci. Non, et conférence précédente, on a toujours dit, il y a trois vis ou deux chasser si vous voulez faire pays. On a toujours dit, c'est incompétence, lâcheté et traîtrise. Jodi, c'est trois vis qui mettent Haïti côté lié à Jodi. C'est l'incompétence, lâcheté et traîtrise. Qui ça me dit pas là? Permettez-moi de faire une petite frange dans l'histoire de nous sur ce qui était passé le 2 octobre 1937 en République Dominicaine. Pas oublier que nous avons un président qui était Leonidas Trujillo Molina qui était décidé pour massacrer plus que 30 000 personnes en République Dominicaine. Et méthode que ont utilisé pour ont assassiner moun sa yo, c'est ça qui fait que massacre pral porter le nom de massacre du Percy, ça veut dire en espagnol. Le fait que yo pas ka identifier effectivement dominicain avec haïtien, yo ont utilisé un langage qui s'alteye, c'est et quoi que littéralement et massacre du persil. Massacre du persil, qui s'altère, c'est péril. Automatiquement, que soldat dominicain, mando pour prononcer non ça, ou pas qu'à prononcer, yon massacre. Et après, massacre, quelques mois après, nous avons joué un accord avec la République dominicaine. Pour nous dire que, aucun territoire haïtien dominicain pas violé, territoire dominicain haïtien pas violé et pour te permettre haïtien qui vivent en République dominicaine yo gagne une vie paisible pour te respecter droit yo. Et nous ka regarder tout dernièrement là n'a pas c'est même 2 octobre 2024 Luis Abinader prend même décision. Le 2 octobre 2024 Luis Abinader prend décision qu'on a pour déporter près de 10 000 haïtiens par semaine. Et pour aller plus loin, yo gen magistrat yo an, ki se Abel Martinez, ki se magistrat et Santiago, li di ke li pa bezwen aucun haïtien vin investi nan peyi yo. Li pa bezwen aucun haïtien vin construit nan peyi yo, Dominique pa bezwen tourner la caillou. Pour ki sa ke li di? On nous prend exemple avec ancien sénateur nou an, nou te gen dans le nord, qui t'a fait l'hôpital Saint-Domingue pendant ce temps que, au cap besoin l'hôpital. Nous avons un pile monde ici qui est politique, qui est sénateur, qui est député, qui est président, qui est encore ministre, qui a construit ses domaines, qui a investi ses domaines pendant ce temps, qui a quitté le pays. Donc, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut avoir Abel Martinez quand il dit que il n'y a pas besoin qu'un haïtien vienne construire dans le pays ou bien vienne investir dans le pays. Ça veut dire qui ça? Je dis en silence complice ça. Où est nous gagnons là? C'est parce que la majorité. Dans les politiciens, nous investissons en République Dominicaine. Yo parlé maintenant pour Luis Abinader ordonner ses biens, yo obligé pas qu'à parler. Combien d'organisations de droits humains nous qui parlent pour Mounio? Et nous disons que nous avons des spécialistes en droit international. Combien de yo nous qui parlent pour Haïtiens ça yo? Et si que nous avons fait pays, automatiquement que vous commencez à déporter Haïtiens, ministre Affaires étrangères moyen, l'État convoqué ambassadeur dominicain pour une balle explication sous déportation massive ça qu'a fait République dominicaine. Et vous me dites nous, c'est quatre catégories moun yo déporté ces domaines pour information, pour la vérité et pour l'histoire. Première catégorie c'est afro-dominicain. Afro-dominicain c'est celui de moun comme si papa yo ou bien grand-grand-papa yo t'es africain, ouais ça me dit qui fait République dominicaine. Un pour exemple et Molina. On est en presse et on petit dame qui t'a allé représenter Saint-Domingue en athlétisme. Et si on joue ni en a et Saint-Domingue dans la rue, malgré que c'est douloureux là, il y a plein de déportés. Deuxième catégorie moun que déporté là, c'est dominicain d'origine haïtienne.
Ça, ça veut dire, c'est des Dominicains qui fait le droit soit de père ou de mère haïtien, et puis soit de père ou de mère dominicain. Dominicain, ça va bien, c'est douloureux. Depuis que je suis dans la rue entre cheveux crépus, ils ont déporté. Troisième catégorie, ils ont déporté, c'est des étudiants. Nous connaissons que c'est domaine qu'on y a là, c'est visa un an. Et nous connaissons ça qui plus passé un an que c'est domaine pas de visa. Tout le monde a quitté un visa qu'on y a eu. Illégal en République Dominicaine, et c'est le monde qui a un business. Quatrième catégorie, c'est le monde qui sans papier. Moun sa ou c'est le monde qui soit qui fait c'est domaine ou bien qui c'est domaine longtemps, mais qui va jamais gagner papier. Et pour la vérité et pour l'histoire, même si vous avez ces douleurs, depuis chez vous crépus, vous avez un plat, vous avez saisi ces douleurs là dans le monde, vous voyez vini. Et, vous avez un permission de travail, permission de travail qui s'allie, c'est une carte autorisation dominique qui permet tout travail, lui-même tout c'est une autorisation temporaire. Malgré que, Haïtien ou gen permis de travail, yo pren l'an men yo, yo pimpe yo nan prison pou yo voye ici. Go troisième document temporaire que Dominique Bak yo le plan. Plan son l'autre 4 yo ba ou yo fait combat avant, chaque mois pour renouveler. Malgré que Haïtien gen yel, ou est-ce qui sa nèg yo, c'est un véritable chasse à l'homme. Et on dit que c'est des étrangers à déporter, mais non. En République Dominicaine, plus que 3 millions Vénézuéliens qui sans papier, yo ba déporter. D'autres nationalités qui sans papier, ils n'ont pas déporté. Je dis, c'est génocide ça qui était fait en 1937, sous Trujillo. Mais le fait que Luis Abinader n'a pas fait lui, parce que pas oublié, Luis Abinader n'est pas dominicain. C'est un sirop libanais. C'est même genre de sirop libanais en Haïti qui a maltraité le peuple haïtien. C'est même genre, et Luis Abinader est un sirop libanais qui a fait travail oligarque. Donc c'est ça que nous devons comprendre dans la déportation qu'a fait là. Et nous autres, le fait que nous connaissons des dirigeants qui font la soupe d'oreille parce que y a une acquittance en République Dominicaine, y a des bus en République Dominicaine, pourquoi nous autres, nous pas arrêter indifférents. Nous étions chita en équipe avec des spécialistes en droit international, côté que nous pouvons déposer des plaintes, devant l'OEA, nous pour nous déposer plainte devant le commissariat pour les réfugiés. Nous gagnons pour nous porter plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Parce que ça qu'a fait là, c'est en violation systématique des droits mounio. Parce que ce n'est pas haïtien qui t'amène illégal, qui gagne un passeport normal. D'ailleurs, messieurs, on a ici pas besoin de visa pour notre République dominicaine. Il l'a c'est pour nous. Il l'a pas pour Dominicain. Et ça fait chaque temps qu'on forme un Dominicain, il a fait un rail de Saline, il a fait un compagnon de Saline déporté, assassiné, et pas vrai. Et si de Saline d'assassiné, je dis, lui, Sabinader va faire fréquence ça. Dans la campagne de l'Est, pas oublier que de Saline dit que de vous piler l'île d'Haïtien ou libre. Haïti, c'était un père pour tout le monde qui a besoin d'aspirer à liberté. Je dis, mais ça que nous avons fait nous payer. Mais malheureusement, nous avons des nègres qui préfèrent goumer pour des pouvoirs. En nous gardons des bagages qui passent là hier. Comme on comprend que nous avons un conseil présidentiel qui a boulé, c'est roulement. Pour Edgar Leblanc, à l'avec soi. Et explication que Edgar Leblanc va rouler à l'avec soi, il est valable. Pour qui ça, monsieur? Si on indexe dans la corruption, si vous avez des avocats, vous avez des avocats et Vertilaire qui t'a tenté de défendre Vertilaire hier, mais ils ont tenté de défendre Vertilaire très très mal. Parce que bon, je vais vous dire, monsieur, ouais, aveu, c'est un clé qui est dans la procédure pénale. De différents types d'aveu. Un pour exemple, dans l'aveu, vous faites. Si vous avez une élection dans la corruption, ou dit ou pas dans la corruption, si vous parlez de corruption, pour qui ça qu'on a signé un accord? Accord l'a dit, puisque on a corruption, ou pas cab vinjo ou le président conseil là, ou a toujours été dans le conseil là, ou accepté signer un accord là, qui ça ça veut dire? Pour faire des aveux. Exact. De vous faire aveux ou dans corruption, c'est là, nous allons tester l'intégrité, yon moun dans mon gouin. C'est là, nous allons tester honnêteté mon gouin. Parce que une fois que l'ULCC, en tant qu'organe qui était là pour mener une enquête administrative, il dit oui, nous jouons le monde. Désir, vous avez dit ce que vous là? Bien, Blaise. Mettre là, avancer avec des approches qui sont importantes, qui sont correctes, sans pas vous remonter, pour montrer que, ensemble, aveu, qu'est-ce que vous faites, dans la responsabilité que vous gagnez, la question est scandale, corruption.
Parce que automatiquement, quand vous êtes d'accord dans la résolution, ou vous êtes pour le président du conseil, ou pas qu'un président du conseil encore. Il pratiquement montrer que ou admettre que vous trouvez dans une situation difficile. Exact. Là on fait office de président. Ou décider de descendre à l'attendre ILCC. Yon président, c'est la haute cour de justice qui t'a dû attendre qui est réparti entre le Sénat et la Chambre des députés, le Parlement. Bien que pas gagné, automatiquement négocié que t'as descendre pour t'ajouter ILCC pour t'attendre yo, mais on t'a déjà perdu crédibilité. Exact. Yeah. Comme moun, comme président ou bien qui fait office de la présidence. Je dis malheureusement, comme ces batailles pour pouvoir avec visibilité, comme ces batailles d'intérêt, ne pas respecter rien comme loi qui est établie, ils ont violé n'importe qui bagaille. Ils viennent avec une résolution. Résolution ça, à qui fin qu'elle pourra le cap servir pays à moins que et six messieurs ça qui signent. Parce que c'est aussi ce qui signe. Est-ce qui a venu conseiller là par rapport avec Edgar Leblanc-Fils qui sentit que il pas à l'aise dans l'habitant Negyo? Et structure qui voulait Edgar Leblanc-Fils, demandez Edgar pour lui retirer quoi dans le bagage comme ça. On a parlé des collectifs 30 janvier. Si vous regardez, accord 21 décembre, bloc minoritaire, il y a toujours une position pour demander lui Gérard Gilles pour être école. Excellent. Ok? Ou après qu'il a présenté et Leslie Voltaire comme homme de grande culture, parce qu'il est d'accord pour habiter avec lui, et dans ce scandale qu'il est impliqué avec la situation. Bon, bon, petit cal dans l'intervention représentant haïtien et représentant permanent Haïti dans OEA, monsieur Gandhi Thomas, ce dossier de déportation. On va mettre notre petit bail là-dedans parce qu'il est vraiment long, mais on va pas quitter mais on va prendre ses séquences là-dedans. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire général adjoint, mesdames, messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, distingués délégués et invités, mesdames, messieurs. La défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers, les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attaché aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996 qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau.